assemblée. J'ai l'honneur de présider, consacré au service, aux revues, au service d'un projet esthétique, un service plutôt esthétique. Je suis très émue de présider cette matinée à côté de Marco, à côté d'Alice, à côté de Quentin, à côté d'Ariane, qui travaille depuis plusieurs années autour de ce groupe de recherche que nous avons fondé il y a un moment maintenant. C'est un peu comme parler ce matin en famille, avec la famille, en tous les cas, avec des collègues avec qui je ne cesse d'être en dialogue scientifique depuis toutes ces années. Donc, voilà, c'est émouvant. On pourrait appeler cette matinée, questa mattinata, la mattina Weinstein, la matinée Weinstein. D'après cet ouvrage de l'historien André Weinstein, qui en 1955 a consacré aux revues d'art, aux revues de théâtre d'art, un ouvrage du théâtre libre au théâtre Louis Jouvet, les théâtres d'art à travers leur périodique. Dal teatro libero al teatro Louis Jouvet, i teatri d'arte attraverso le loro riviste, i loro periodici, sì, grazie. Voilà, ce livre nous a beaucoup inspiré dans les débuts de ce groupe de recherche. D'ailleurs, la question qu'on pourrait d'emblée poser aux intervenants du jour, savoir voilà, quel en est aujourd'hui l'usage, comment on s'y référer, est-ce que quel instrument bibliographique il constitue aujourd'hui après toutes ces années de travail. Bon, je ne vais pas m'étendre davantage et je vais passer tout de suite la parole à Alice Folco sur ma gauche, Alice Folco qui est maître de conférence à l'Université de Grenoble, qui a fait une très belle thèse sur Mallarmé et le théâtre, qui connaît très bien le théâtre du tournant du siècle et les théâtres d'art. Je vais aujourd'hui donc vous parler des stratégies éditoriales des théâtres à côté, théâtre libre, théâtre d'art, théâtre de l'œuvre. Merci. Tu peux dire qu'il y a un résumé qui tourne, mais qu'il n'y en a qu'un seul. C'è un riassunto, ma ce n'è uno solo nel circolo che sta circolando. Sì, mi dispiace, capisco l'italiano ma non lo parlo. Spero che quello che dico in francese sia comprensibile. Donc théâtre libre, théâtre d'art, théâtre de l'œuvre. Je veux parler d'un domaine déjà bien balisé, notamment par les travaux pionniers et remarquables d'André Weinstein sur les théâtres d'art à travers leur périodique. J'ai tout de même eu envie de reparcourir cette période au vu des travaux de la dernière décennie sur l'histoire et l'historiographie de la mise en scène, et aussi dans la perspective revuiste qui a été la nôtre au GRIRT. J'ai donc dépouillé systématiquement un certain nombre de parutions qui furent publiées sur une période assez courte et qui correspond au moment où donc Antoine, Paul Fort et Aurélien Lumier animaient des théâtres à côté. Alors, je ne savais pas comment traduire théâtre à côté, j'ai mis marginale. C'est-à-dire donc non pas des salles de spectacle à proprement parler, mais des sociétés d'abonnés, des cercles privés qui produisaient à intervalles réguliers des soirées exclusivement destinées à leurs adhérents et aux critiques. Et je me suis dit que j'allais essayer d'avoir une vue d'ensemble sur un moment clé dans l'histoire de la mise en scène, mais qui fut avant tout, autour de 1890, une bataille de reconnaissance menée par et pour certains écrivains dramatiques. Alors, pour reprendre les termes que Johann Gerillac utilise à propos des petites revues, les soirées organisées par les théâtres à côté ont été autant des produits que des vecteurs d'autonomisation dans le champ théâtral. Donc, d'une certaine manière, et surtout au début, chaque spectacle proposait une compilation de pièces qui était une sorte de recueil à vocation publicitaire et activiste, un peu comme une livraison à tirage très limité, puisqu'il n'y avait que deux soirées, et qui n'aurait pas été imprimée sur du papier par un rédacteur en chef, mais bien édité sous forme de spectacle par un directeur de théâtre. Comme le dit éloquemment la brochure de mai 1890 du Théâtre Libre, le Théâtre Libre est une maison littéraire ouverte tout entière aux artistes et gens de lettres, l'équivalent théâtral d'une maison d'édition d'une certaine manière. Alors mon hypothèse,
même si faute de temps, je la développerai plutôt dans la version écrite, c'est la suivante, c'est dire, enfin, ce n'est pas que moi qui dis, c'est de travailler là-dessus, c'est la soirée théâtrale en elle-même qui avait une vocation éditoriale, ce qui explique que les directeurs des théâtres à côté n'aient pas réellement investi le champ revuiste à cette période-là. Donc, je reviendrai sur ce que j'entends par réellement investir. Donc, ce que je vais tenter de montrer aujourd'hui, dans le panorama qui suit, c'est que quand on regarde bien, on voit que les théâtres à côté n'ont produit à cette époque-là que des publications d'accompagnement de leurs activités. Ils ont proposé des parutions enrichies, très intéressantes, mais qui n'étaient pas des revues à proprement parler, et dans lesquelles, on verra, il n'était que incidemment, c'est-à-dire très rarement, question de mise en scène. Alors, je me suis aperçue qu'il n'était pas inutile de refaire un point sur les deux publications liées au théâtre libre, les brochures annuelles, dont tout le monde connaît le riche contenu théorique, mais qui sont des publications dont le statut a été, il me semble, assez peu interrogé. Et le théâtre libre illustré, qui souffre d'un problème qui est presque inversement symétrique, comme Antoine ne se l'est pas approprié, parce qu'il n'y a pas écrit et qu'il n'en parle même pas dans ses souvenirs, on a tendance à ne pas vraiment prendre en considération cette publication qui a pourtant accompagné l'activité du théâtre libre pendant deux saisons. Alors, je commence par les brochures. Alors, moi, j'avoue que j'ai du mal à considérer ces cinq opuscules comme une revue à proprement parler, ce que fait Weinstein, qui prend ses précautions, mais finit quand même par affirmer, donc je le cite, que le nombre de brochures publiées, leur présentation et leur contenu en font une véritable revue de cette période héroïque que vécut le théâtre libre depuis sa fondation jusqu'en 1894. Alors, cette divergence de perspective, elle vient du fait que j'ai examiner justement, non pas les contenus, mais les paratextes, essentiellement. Alors, les brochures, déjà, les brochures ne sont pas numérotées, elles sont simplement datées. Elles ne portent aucune mention relative à un comité de rédaction ou toute autre structure équivalente. On n'y trouve aucune mention de prix. Alors, on sait tout de même, grâce au souvenir d'Antoine, que la première fut tirée à 2000 exemplaires. Alors, concernant leur fonction première, en réalité, les choses sont assez claires. Le théâtre libre est une structure très particulière, dont la trésorerie repose intégralement sur un système d'abonnement. Il s'agit donc, pour pouvoir pérenniser l'entreprise, de produire un prospectus, enfin je ne savais pas traduire prospectus, visant à garder ou à conquérir de nouveaux abonnés. Chaque livraison fait donc le bilan moral et financier de l'activité écoulée et annonce le programme de l'année suivante. Alors, là où Antoine, indéniablement, propose quelque chose de singulier, c'est qu'il greffe sur ce qui pourrait n'être qu'un support de communication et de promotion toute une réflexion manifestaire qu'il ne livre pas forcément ailleurs à ce moment-là. Et le fait qu'il réserve ce type de texte généraliste aux abonnés et à une publication presque confidentielle, finalement, est un des signes, il me semble, que l'enjeu médiatique prioritaire, j'insiste, à ce moment-là, ce n'est pas de promouvoir encore ce qui serait une nouvelle manière de faire la mise en scène. On n'est pas en 1903, on n'est pas à l'heure de la causerie. Comme Antoine l'écrit en 1891, depuis 4 ans, nous avons démontré l'existence d'une nouvelle génération d'auteurs dramatiques prêts à remplacer celle qui va disparaître. L'enjeu premier, c'est de faire la démonstration en acte, c'est-à-dire via un spectacle, de la recevabilité d'un certain nombre de pièces qui ont été refusé pareil. Alors j'en veux pour preuve aussi le théâtre libre illustré qui commence à apparaître en 1889. Alors rétrospectivement, l'objet est une sorte d'énigme revuiste à lui tout seul. D'abord parce qu'il en reste très très peu sous sa forme initiale. On trouve facilement les deux volumes qui compilent les fascicules mensuels que Rodolphe Darzin a fait paraître chez Dentu. Et c'est ce fac-similé qui est numérisé sur Gallica, mais j'ai eu du mal à mettre la main sur un exemplaire original isolé, même à la BNF, donc c'est Sophie qui me l'a fourni, hein, ça l'a fait peut-être très cher. Et voilà, ce qui est à mon avis une indication d'un très très faible tirage initial. Alors, cette fois, on a bien une périodicité signalée par une numérotation, avec une datation qui indique que chaque livraison correspond exactement aux premières des spectacles montés par le théâtre libre. Donc on n'a pas de prix indiqué sur la brochure, mais dans la presse, j'ai trouvé des encarts promotionnels qui
qui parle de 1,50 € pour la première année, puis 1 franc pour la seconde. Il n'y a pas de publicité non plus, sauf peut-être en deuxième saison. Et enfin, côté rédaction, les choses sont assez simples. Il y a un seul et unique rédacteur, Rodolphe Darzins, et qui écrit à la première personne, et qui travaille avec un seul et unique dessinateur, qui est Lucien Métivier. L'avant-propos du premier numéro explique bien que le projet n'est pas de nature critique. Il s'agit donc de réunir pour chaque soirée en une publication mensuelle les documents les plus divers relatifs aux actes mis en scène. Je serai l'avocat impartial de l'auteur, ne faisant que placer sous les yeux du public qui s'intéresse aux affaires théâtrales les dossiers qui me seront communiqués, sans jamais me départir de ma plus stricte équité. Colette, ça, je ne suis pas sûre. Les connotations juridiques du vocabulaire employé sont claires. Chaque revue est une plaidoirie au cours de laquelle Darzins exhibe divers types de preuves. Et le fait de publier des facsimilés de lettres, d'ailleurs, qui pourraient tout à fait être transcrites, donne une valeur ajoutée, plastique, mais a aussi, à mon avis, de valeur probatoire, une valeur d'authentification. Et de fait, il n'y a pas de rubrique. Il y a juste un sommaire centré sur la programmation et qui suit à peu près toujours le même scénario. Donc Darzins rédige une biographie littéraire très subjective de l'auteur qui met l'accent sur les infortunes qu'a connues la pièce avant d'être acceptée au Théâtre Libre. Vient ensuite un commentaire assez libre de l'intrigue avec quelques extraits dialogués. Et systématiquement à la fin, des félicitations aux acteurs qui ont toujours merveilleusement joué. Alors, deux bizarreries de cette publication sur lesquelles je voudrais m'attarder. Première étrangeté, Darzins a une expérience revuiste, puisque c'est un des fondateurs de la première version de la revue La Pléiade, en 1886. Mais il est surtout, depuis 1888, le secrétaire du Théâtre Libre. Son archiviste vient enfin dans ses souvenirs. Sauf que la publication n'est pas du tout, absolument pas une émanation du Théâtre Libre, qui n'aurait de toute façon, vu son déficit, absolument pas les moyens de s'offrir une plaquette aussi luxueuse. Donc j'ai vérifié les comptes, on trouve tous les ans des paiements à l'éditeur Verneau, qui édite les programmes et les brochures annuelles, mais absolument rien concernant une revue illustrée. Deuxième étrangeté, la date sur chaque fascicule correspond à la première d'un spectacle, mais le compte-rendu de la mise en scène est toujours écrit au passé composé. Au départ, je me suis dit que Darzins avait dû assister à des répétitions pour pouvoir distribuer les exemplaires le soir même, ce qui ferait du Théâtre Libre illustré une sorte de programme de salle enrichi. Et d'ailleurs, donc, dans la troisième livraison, on lit, je cite, « Il faut avouer que faire 48 heures à l'avance le compte-rendu d'un spectacle et en prophétiser le résultat, succès ou insuccès, cela n'est pas toujours facile. Me suis-je cependant trompée jusqu'ici ? » Bon, sauf que dans les publicités pour la revue, on apprend que chaque fascicule paraît le lendemain des premières. Autrement dit, et c'est répété à plusieurs reprises, la revue a vocation à apparaître après les spectacles. De là deux questions qui sont liées, qui paye et quelle était la finalité de cette publication. Alors j'ai mieux regardé la première phrase de l'avant-propos du premier numéro, où on lit, et je cite Darzins, en acceptant de rédiger seul la publication artistique que fondent des éditeurs amis des lettres, etc., etc. C'est donc une maison d'édition qui fonde la revue, la maison d'Antu, qui a un certain nombre d'auteurs du Théâtre Libre à son catalogue, les frères Goncourt, les frères Rémy, Darzins lui-même. Et surtout, d'Antu, comme c'est écrit noir sur blanc sur la couverture du Théâtre Libre illustré, c'est le libraire de la Société des gens de lettres. Je pense donc qu'il s'agissait pour l'éditeur de valoriser son propre catalogue et plus généralement de participer à une des missions de la SGDL, qui est une des petites sœurs de la SACD, c'est-à-dire c'est une association française de promotion du droit et de défense des intérêts des auteurs. Donc selon moi, il ne s'agit pas tant d'appuyer le travail scénique d'Antoine en soi, il s'agit plutôt de le prolonger. C'est-à-dire qu'une fois dissipés les effets médiatiques des deux soirées, voilà. En gros, toutes les pièces ne sont pas Jacques d'amour. Hein, elles ne rentrent pas à l'Odéon 6 mois après avoir été créées au Théâtre Libre. Donc peut-être s'agissait-il au fond de toucher ceux qui n'auraient pas vu le spectacle pour encourager à monter la pièce dans d'autres théâtres. En tout cas, j'aime bien cette idée de prolonger les effets du spectacle par un objet
moins éphémère. Bon, ce qui est certain, c'est que Antoine laisse faire, évidemment, mais qu'il ne s'implique pas du tout. Il aurait très bien pu donner, je ne sais pas, un entretien, une note d'intention, une réflexion sur le jeu d'acteur dans telle pièce, mais il ne le fait pas du tout. C'est pour ça que je disais qu'il ne s'agit, s'agit pas de valoriser son travail à lui, à proprement parler. Comme je l'ai dit, les brochures lui servent d'espace théorique, et le véritable travail éditorial, il se... enfin, c'est la soirée théâtrale en elle-même, et sa couverture médiatique dans la grande presse. Bon, de toute façon, le Théâtre Libre illustré cesse ses activités en janvier 1991, pour des raisons que j'ignore encore, peut-être parce qu'il n'était pas réellement porté par Antoine, parce que Darzin fut pris par d'autres activités, ou tout simplement parce que les éditeurs ne financèrent plus, et plus probablement, avoir été financés. Bon, à ce moment-là, néanmoins, apparaît une autre publication consacrée à l'activité d'un théâtre à côté, le Théâtre d'Art. Alors, bien qu'il ne se soit passé que 4 ans depuis la création du Théâtre Libre, le contexte est très différent. D'une part, sont apparues plusieurs revues artistiques et littéraires qui vont peser dans la défense d'une nouvelle génération d'écrivains, donc le Mercure de France, janvier 1890, l'Ermitage, avril 1890, et octobre 1891, Léna Tanson rapatrie la revue Blanche à Paris. D'autre part, sur le plan théâtral, la question du chant se pose un peu autrement. Pour Antoine, il s'agissait essentiellement de batailler contre les scènes officielles et d'obtenir le soutien de poids de grands feuilletonistes. Pour Paul Fort, il va surtout s'agir de challenger le Théâtre Libre, ce qui implique une autre posture éditoriale. Alors, je voudrais revenir sur l'analogie entre le travail de rédacteur en chef et celui de directeur de théâtre. Dans le cas précis du Théâtre d'Art, alors le théâtre, pas la revue. Ce lien n'est pas que métaphorique. Paul Fort a raconté que l'idée de fonder un théâtre lui était venue suite à une remarque d'Alfred Valette, celui qui devait peu de temps après fonder le Mercure de France, organe de culture du symbolisme. Valette, donc, aurait lancé, on dit, à sa main et à du mur, ce qui manque à cette école, c'est un théâtre. À certains égards, le Théâtre d'Art est donc une copie du Théâtre Libre, mais aussi une émanation du Mercure de France, et le comité du Théâtre d'Art, le théâtre par la revue, la structure par la revue, est complètement issu de l'équipe du Mercure de France. Vous voyez, Madame Rachid, Monsieur Athée et Messieurs Alfred Valette, Remarque, Renard, Saint-Coulon, Jules Mérite. Alors, concernant la parution en elle-même maintenant, concrètement, les dates des livraisons correspondent à celles des soirées organisées. On n'y trouve pas de mention de prix parce qu'il s'agit d'une distribution gratuite à destination des abonnés de la presse. Le premier numéro signale un rédacteur en chef, Paul Dolfus, dont le nom disparaît par la suite. Signe d'un modèle qui se cherche, le titre change quasiment à chaque numéro et accompagne une sorte de dédoublement de l'objet entre une revue d'un côté et un programme de l'autre. Donc le journal du Théâtre d'Art devient, vous l'avez vu, Théâtre d'Art. Puis, je montre parce qu'ils sont très beaux quand même. Puis le livre d'art, organe du Théâtre d'Art, devient le livre d'art suite au programme du Théâtre d'Art. Alors la publication disparaît avec la dissolution de la Société d'Abonnés, mais on peut noter que le titre, le livre d'art, sera repris en 1896 avec Paul Fort comme directeur de la publication et Maurice Dumont comme rédacteur en chef. Alors deux remarques sur la publication, c'est un bel objet. Riche sur le plan iconographique et textuel, qui a vocation donc à prolonger l'expérience du spectacle. On voit que la revue annonce le programme de la soirée, la distribution, mais elle a une réelle valeur ajoutée pour le spectateur qui repart avec des poèmes, et non des moindres, et avec des lithographies. Comparativement, je dirais que c'est aussi une publication assez intéressante sur le plan de la réflexion scénique. Alors, si le détail vous intéresse, j'ai détaillé tout ça dans un article de la revue Romantisme, mais pour le dire vite, de toutes les publications que j'ai évoquées, le Théâtre d'Art est le seul à avoir publié des équivalents de nos modernes notes d'intention, comme par exemple le fameux argument de la mise en scène, argument de la mise en scène et non pas argument de la pièce, pour La fille aux mains coupées de Pierre Quillon. Donc paradoxalement, c'est l'aventure qui fut la plus compliquée, peut-être la moins réussie sur le plan des spectacles, qui a produit l'objet éditorial le plus intéressant. On le sait, hein, Paul Fort, médiatiquement, s'était présenté comme l'animateur d'un équivalent symboliste du Théâtre Libre. Mais dans les faits, c'est essentiellement la dimension de promotion d'œuvres inédites qui a été retenue.
Et le fait qu'il ne se soit pas pensé du tout comme Antoine, comme un chef de troupe amené à diriger des acteurs, explique en grande partie l'insuccès de son aventure théâtrale. Inversement, c'est probablement ce qui fait que sa proposition revueliste, même éphémère, est très intéressante, plus intéressante d'une certaine manière que celle du théâtre de livre, et même que celle du théâtre de l'œuvre de la même période. Alors c'est pas complètement étonnant, hein, parce que le théâtre d'art était une aventure qui a été d'abord portée par des écrivains, et puis Paul Faure lui-même se réalisera finalement plus, autant dans la poésie que dans l'édition papier, et je pense notamment à la revue Vers et Prose, qui naît en 1905, et qui, elle, fut une aventure durable. Donc j'insiste sur ce point, parce que comme je le disais, il semble que pour les directeurs et acteurs que furent Antoine et Lumier, la question des périodiques n'a pas été une priorité, pas une nécessité. Une revue, c'est du temps et de l'argent, denrées qui manquent quand on crée des spectacles dans des conditions précaires. Et j'en veux pour preuve négative, en quelque sorte, le fait que le théâtre de l'œuvre n'est pas produit de périodiques avant 1909. Alors, donc, pour terminer, un bref point sur l'œuvre, sur Lumier plutôt. Et je ferai volontiers l'hypothèse que Lumier, plus encore qu'Antoine, se pense comme un éditeur d'œuvres spectaculaires, qu'il n'a pas besoin d'une revue, puisqu'il dispose déjà de relais efficaces dans la presse et dans le monde des petites revues. Donc sur le plan éditorial, je dirais qu'il y a trois romans intéressants à considérer. Alors je suis allée regarder le bulletin des Escoliers, qui naît en 1892, parce que Lumier Pau est un des membres fondateurs de ce Young Club, créé en 1886, avec qui il a eu une relation compliquée, mais c'est la structure au sein de laquelle il a monté la Dame de la Paix. Alors, ces feuillets mensuels mériteraient en réalité une communication à eux tout seuls, mais en résumé, c'est un bulletin, bulletin, de liaison interne, qui recense les informations utiles aux adhérents, nouvelles adhésions, compte rendu des assemblées générales, etc. Notez seulement aujourd'hui que dans la liste des membres fondateurs et animateurs de ce cercle artistique, on retrouve dès le début et tout du long les frères d'intention, soit les fondateurs de la revue Blanche. D'où ma remarque, à quoi bon publier une revue supplémentaire quand on dispose déjà de relais organisés et efficaces. Et de fait, pendant toute la période symboliste, l'œuvre produit seulement quelques prospectus de saison. Celui-ci, ils sont très rares, très light, on peut dire. Et évidemment, beaucoup de programmes. Déjà. L'essentiel du combat médiatique se fait ailleurs, par presse interposée et par collaboration intéressée avec des petites revues. Et j'insiste sur intéresser. Intéresser, ça veut dire monnayer. J'ai pas le temps de détailler ici, mais il y a tout un passage de Sous les étoiles dans lequel Lumier lève le voile sur les cuisines du deal avec la revue Blanche autour de 1900. Donc il explique que sans l'appui des Nathanson, il n'aurait jamais pu engager de Max dans le roi Condor de Gilles. Et il précise aussi que ces arrangements impliquaient un intéressement et donc de régler un pourcentage. D'accord. Alors en 1909, qu'est-ce qui a changé? Ah, ça, c'est les activités des Nathanson autour de 1900. Voilà. Qu'est-ce qui a changé en 1909? Eh bien, Lumier Pau, maintenant, il a un business. Il est impresario, il a une agence, en fait, d'une certaine manière. Il fait tourner beaucoup d'artistes, dont Giovanni Grasso dans La Dolce. Et donc, il a une autre activité. Donc il a de l'argent, pour dire très simplement. Et aussi, mais ce n'est pas la seule raison. Il a aussi une activité à soutenir et à développer qui implique d'être en contact avec de nombreux correspondants à l'étranger, raison pour laquelle le bulletin de l'œuvre est avant tout un bulletin, justement, et que c'est seulement après guerre qu'il deviendra une revue. C'est donc un organe de liaison pour les spectacles qu'il diffuse ou qu'il cherche à diffuser dans toute l'Europe. Est-ce que j'ai 2 minutes pour conclure? Okay. Donc, conclusion. 2 idées à retenir. Dans la période que j'ai considérée, quand il y a des besoins inhérents à la vie de la structure même, on produit des outils de communication périodique, programmes, prospectus, éventuellement bulletins de liaison. Ceux-ci ont toujours été enrichis pour avoir une valeur ajoutée artistique. Mais ce ne sont pas véritablement des revues pluralistes, structurées, ou simplement cherchant à promouvoir une réflexion généraliste au sens de déconnecter d'une programmation de vie. Au final, deuxième point, dans toutes ces publications, il n'y a pas beaucoup de réflexions théoriques sur le théâtre, sur sa mise en scène, ou même sur le processus de création scénique de chaque œuvre.
Et la question qui est pourtant centrale du jeu d'acteur, par exemple, est totalement absente. C'est pour ça que j'ai insisté plus haut. Il ne faut pas oublier que l'enjeu médiatique prioritaire autour de 1890, ce n'est pas l'invention de la mise en scène moderne, c'est la bataille pour défendre une nouvelle génération d'auteurs dramatiques, bataille qui se mène ailleurs, sur scène et dans la presse, grande ou petite. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette communication qui donc remet en perspective toutes ces publications mythiques des théâtres racontés. Je vais passer la parole maintenant à Marco Consolini, qui va nous parler du projet éditorial de Copo et de Chancerelle. Nous avançons dans le temps et nous rapprochons de. Va permettre de penser ce qu'est la revue moderne, le théâtre. Hein. Un peu amer parmi les protagonistes du théâtre du XXe siècle, un pionnier souvent malcontent d'avoir été incapable de concrétiser ses idées novatrices et presque jaloux des élèves qui ont réussi à leur donner corps, bien évidemment, de manière imparfaite par rapport à son dessin utopique. Le cas spécifique des revues et des périodiques théâtraux confirme cette identité. Copo a été l'un des principaux penseurs de la revue comme outil nécessaire et central dans le combat pour la rénovation de la dramatique, et pourtant il n'a jamais su ou réussi à en créer une. Homme de revue, ayant construit son parcours de formation culturelle à travers la collaboration à de nombreuses publications de nature diverse, des revues d'avant-garde littéraire comme la Revue Blanche, l'Ermitage ou Hanté, à la plus établie, la Grande Revue, de la savante revue d'art dramatique au magazine illustré de théâtre, il arrivera au théâtre en 1913, fort de sa plus importante expérience intellectuelle, la participation à la naissance de la Nouvelle Revue française. Le théâtre du Vieux-Colombier, effectivement, sera en bonne partie façonné à partir de la charpente morale et stratégique de la RRF. Et lorsque Copo commencera à concrétiser sa métamorphose d'homme de lettres en homme de théâtre, un autre modèle en forme de page imprimée sera pour lui capital, bien évidemment, de masque. La revue de Gordon Craig, qu'il ira rencontrer à Florence en 1915. Les mots exaltés qu'il écrit à ce moment-là à Louis Jouvet sont explicites. Il y a aussi une chose à laquelle je voudrais que tu attaches de l'importance parce que ça en aura une grande, c'est le grand périodique Vieux-Colombier. Voilà le livre des bons artisans où viendra se consigner toute découverte, s'inscrire toute recette, se noter en marge toute remarque. Grand livre des machinistes, décorateurs, architectes, teinturiers, imagiers, sculpteurs, sur bois, costumiers. C'est là que nous tripoterons la réalité, mon vieux, tu verras. Tu vois les lieux d'action et la démonstration du plateau et du journal. Craig, le seul théoricien de valeur, est incomplet parce qu'il n'a pas de plateau. Dès le début, donc, de l'itinéraire de théâtre de Copo, plateau et journal doivent marcher ensemble, presque comme théâtre et école, autre binôme
de son projet. Si toutefois, au retour des États-Unis, l'école du Vieux-Colombier verra le jour malgré un certain nombre de difficultés, force est de constater que les cahiers du Vieux-Colombier, parus en novembre 1920 et 21, sont bien loin de correspondre au grand périodique rêvé à 1915. Il s'agit en effet de deux brochures monographiques entièrement rédigées par Topo lui-même, consacrées à l'association des amis à l'école du Vieux-Colombier. Rien, ni dans leur contenu, ni dans leur aspect éditorial, typographique et matériel, ne fait penser à une revue. Mais c'est justement à la réouverture du théâtre après la guerre qu'apparaît le collaborateur qui catalysera dorénavant les chimères revuistes de Popo, Léon Chancel. Ce dernier, qui découvre le petit théâtre de la rive gauche en mai 1920, aura beaucoup de mal à trouver une colocation précise dans la concrète action théâtrale de Popo. Comme l'a synthétisé sa biographe, Marilyn Romain, Chancel remplira auprès du patron un rôle de collaborateur spécialisé, de conseiller, de documentaliste et même d'acteur et de metteur en scène quand l'occasion s'en présentera. Mais ce statut hybride cachait une réelle difficulté à pénétrer dans le cercle restreint de Popo et de sa troupe. Le documentaliste, le chercheur passionné, l'érudit Chancel, en revanche, retiendra l'intérêt de Popo qui verra en lui l'homme de confiance à qui déléguer la préparation de cette revue théâtrale tant nécessaire. Pendant plusieurs années, Chancel ne cessera alors de rassembler et archiver une énorme quantité de documents pour une revue qui devait s'appeler, clin d'œil à Georges, l'art du théâtre. Projet constamment procrastiné par le patron. Une lettre de novembre 1927 nous montre même un Chancel enfin décidé de passer à l'action. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il m'est enfin donné de pouvoir réaliser un de mes projets. Il sera publié à partir de janvier prochain, sous ma direction, Le Don de Soi, notes et documents sur l'art du théâtre ancien et moderne, la danse et le cinéma. Mon désir de créer cette revue de l'art du théâtre ancien et moderne qui n'existe pas en France, ce que vous avez bien déploré devant moi. J'espère que vous voudrez bien considérer cette revue comme fille de l'enseignement que j'ai reçu de vous et me donner toutes les facilités de publier régulièrement ce que vous voudrez me confier de votre pensée, de vos travaux et de ceux de mes camarades bourguignons, des copieux évidemment. J'espère aussi que vous m'aiderez de vos conseils et de votre expérience. La réponse qu'il obtient du patron, c'est, comme souvent, ambigu. Je suis bien heureux d'apprendre que vous allez créer cette revue d'art dramatique dont nous avons si souvent parlé ensemble. Hoc erat in vortis. Je vous félicite vivement et je vous remercie du souhait que vous formez de me voir participer à votre effort. Vous savez combien la chose m'intéresse, quelle importance, quelle influence je pense qu'un tel recueil pourrait avoir, si c'était ce qu'il doit être. Mais dans quelle mesure je pourrais vous être utile, je l'ignore. Tout est pour moi tellement incertain, je ne connais pas mon lendemain, etc. Le Don de Soi, ce titre serait très beau. J'y souscrirais entièrement s'il devait être compris, mais je crains qu'il ne le soit pas. Copo a beau s'exclamer en latin « Voilà ce que je désirais », on voit bien que cela ne se traduit en aucun engagement concret de sa part. Le Don de Soi, donc, ne verra pas le jour. Mais le travail de Chancel continue. L'année suivante, Copo, qui est quelqu'un de très lunatique, hein, c'est pour bien le dire, semble avoir retrouvé son enthousiasme et salue une formule définitive enfin trouvée, et ça c'est la citation très célèbre. Un bulletin de travail, oui, où tout se classe suivant quelques idées maîtresses, et aussi une encyclopédie où les termes sont définis, et aussi une espèce de théâtre où tous les matériaux de la création sont comme un suspens, quelque chose comme la cervelle d'un créateur dramatique. Cette dernière figure exprime bien ma pensée, et tous ces éléments épars, mais bien classés sur des rubriques commodes, viendront se réunir et s'organiser plus strictement dans des petits volumes dont vous parlez, et dont l'ensemble conduira à une théorie du théâtre. Quand nous en serons là, nous serons sortis de la confusion. Si vous faites cela, vous aurez bien mérité de l'art dramatique. Voilà le plan, il est simple, allez-y. Encore une fois, d'une telle ardeur ne sortira aucune revue réelle. Mais cette lettre d'avril 28 a le mérite de dresser le portrait idéal de la revue théâtrale imaginée par Popo et que Chancel, dans les années qui suivront, tentera de réaliser. Un bulletin de travail rend bien l'idée d'une publication périodique au service d'un groupe, à la fois outil de propagande
et organe de liaison avec une communauté d'adeptes. Au centre s'y trouvent les idées maîtresses, qui permettent de classer les faits, les aspects concrets du travail théâtral. À cela s'ajoute une encyclopédie en devenir, qui recueille et définit les savoirs techniques et les connaissances théoriques, notamment en termes d'histoire du théâtre, ce qui présuppose un travail d'accumulation et de classement de documents, de recherche bibliographique et de vulgarisation de ce patrimoine. Une espèce de théâtre, enfin, montre à quel point le modèle de Demasque de Craig soit encore vif chez Popo. La revue florentine de Craig étant littéralement l'incarnation de ce quelque chose comme la cervelle d'un créateur dramatique. Image chimérique d'une revue conçue comme un édifice théâtral transparent à l'intérieur duquel on pouvait voir se dérouler le processus de création. Une revue qui, en la feuilletant, laisserait émerger pêle-mêle et presque magiquement les éléments constitutifs d'une théorie du théâtre permettant de sortir de la confusion. Léon Chancerelle, bien évidemment, n'arrivera pas à réaliser ce modèle imaginaire, mais les publications bien réelles auxquelles il consacrera beaucoup d'énergie entre 1932 et 1950 témoignent d'un effort têtu et presque héroïque pour satisfaire le vœu du patron Copeau. Il lui faudra d'abord disposer d'un groupe, les comédiens routiers, constitué à partir de 1929 et d'un cercle élargi d'adeptes, celui du réseau du théâtre amateur Scout, ou Scout, pour mieux se faire comprendre par les Italiens. Une fois que la pratique théâtrale pilotée par Chancerelle aura pris de la force et de l'ampleur, naît donc en novembre 1932 les bulletins des comédiens routiers, qui, malgré quelques irrégularités, publient avec continuité 10 fascicules par an jusqu'en octobre 1935. À celui-ci succède Art dramatique, qui sera édité avec la même cadence jusqu'au printemps 1939. Et après l'interruption de la guerre, les publications reprennent en juillet 1945 sous le titre Cahier d'art dramatique. Et se poursuivent bien avec moins de régularité jusqu'en septembre 1950. À ces trois titres, hein, doit s'ajouter celui de Prospero, notre document, études, boutades et conseils concernant l'étude de la pratique des arts et métiers du théâtre, publié entre 1943 et 1946, et qui n'est pas un périodique à proprement parler, mais dont le sous-titre montre bien le lien direct avec le projet encyclopédique du bulletin préconisé par Craig. Effectivement, y compris pour le cas un peu à part de Prospero, il y a une cohérence et une continuité évidente entre ces différentes publications, toutes imprimées en un format in octavo, assez pauvre, accompagné de photographies seulement dans les périodes où les difficultés financières sont moins graves, mais qui montre un soin de mise en page non négligeable, profitant notamment d'un remarquable graphisme stylisé grâce aux pinceaux de Pierre Joubert, René Gabriel et d'autres dessinateurs. Comme Craig dans The Mask, Chancerelle en est l'unique maître à bord, alternant sa signature avec plusieurs pseudonymes, même si moins nombreux que ceux utilisés par Gordon Craig dans Le Masque. Sébastien, l'oncle Sébastien, le Séménier, Léno, Jonas, etc. Alors que les jeunes membres de sa troupe, Boris Jacquemont, Jean-Pierre Grenier, Olivier Husseneau, Hubert Gignoux, etc., ils sont souvent évoqués avec leur simple prénom. Ce détail est significatif. Il y a un groupe soudé et absolument paritaire, les comédiens routiers, qui se propose comme exemple à un réseau d'autres troupes amateurs, scouts. Et il y a un chef reconnu, Chancerelle, qui toutefois n'oublie jamais de rappeler la présence d'un maître à penser à contester, Jacopo. Il s'agit donc de publications militantes qui naissent d'abord comme support à la troupe des comédiens routiers et à son réseau de théâtre scout, avec des tirages assez limités, oscillant autour de 700 exemplaires, mais qui, comme l'a observé Gignoux, destinés à des groupes, ont circulé parmi un beaucoup plus grand nombre de lecteurs. Malgré cette adresse bien déterminée, il s'agit de cahiers qui se préoccupent aussi de fournir tous les renseignements et éclaircissements d'ordre spirituel et technique que tant de bonne volonté, tant de dévouement et de talents les plus divers nous font l'honneur de chercher auprès de nous, comme le déclare le premier éditorial, qui évoque à ce propos la nécessité d'établir un véritable manuel dramatique. Basé sur une doctrine, une méthode, un style, un répertoire, ce qui repose sur les bases posées dès 1913 par Jacopo, notre maître et notre ami. Chancerelle ne se départira jamais de cette ligne. Les changements des intitulés seront dictés uniquement par l'évolution de la compagnie,
ou bien par des changements de contexte historique. Le remplacement du bulletin des comédiens routiers par art dramatique en novembre 1935 correspond dans ce sens à la tentative d'élargir le réseau d'influence au-delà de la tutelle scout, notamment via le développement du théâtre de l'Oncle Sébastien consacré à l'enfance. Nous continuerons à faire dans ces pages large place à tout ce qui concerne l'art dramatique et l'éducation, jeu dramatique et théâtre communautaire, non seulement dans le scoutisme, le guidisme, mais aussi dans les universités, les collèges, les écoles. Mais sur la première page du nouveau cahier, cette volonté d'extension apparaît bientôt en forme de slogan pour le renouveau du vie dramatique française de qualité, non seulement dans les grandes villes, mais jusque dans les plus petits villages, à l'école comme à l'usine, dans toutes les cellules de vie nationale soucieuses et noblement accueillies, leur loisir et s'élever spirituellement. Un slogan qui, comme un piédestal, soutient le logo habituel. La continuité est donc évidente et déclarée. Et même en juillet 45, lorsque les publications reprennent après l'interruption de la guerre, sous le nouveau titre de cahier d'art dramatique, dans des conditions radicalement différentes, puisque le comédien routier n'existe plus, et la revue déclare de s'adresser à un lectorat plus large, je cite, aux jeunes instituteurs et professeurs, aux directeurs de services sociaux des grandes entreprises, aux militants syndicalistes, aux directeurs de troupes amateurs, l'éditorial est d'ouverture, revendique à nouveau cette même continuité en réaffichant la même inscription en pavé, voilà, et les mêmes logos d'avant-guerre. Hubert Gignoux a formulé une efficace description de ces cahiers. Le voilà, Hubert Gignoux. Les bulletins fourmillent d'exposés, de conseils, de réponses aux lecteurs, de témoignages venus du monde entier, de projets, de plaintes, d'aperçus sur les spectacles parisiens, de maximes à méditer, Popov, Stanislavski, Craig, Baden-Powell, Baudelaire, Chaplin, etc. De piécettes, de poèmes, de suggestions de répertoire, plus qu'une quantité de photographies, de croquis de costumes, de plans, de documents. Du désordre, un peu trop d'état d'âme, d'allusions pathétiques au surménage de l'équipe et de son chef, ou à la différence des hiérarchies, mais une masse de savoir, de présence, de vie prodigieuse. Bien que Gignoux se réfère surtout au bulletin d'avant-guerre, quand il était membre actif de Comédien Routier, son portrait s'adapte à l'ensemble des trois séries, y compris la collection de Prospero. Ces cahiers sont remplis d'indications à la fois théoriques et pratiques. C'est le cas de la rubrique Feuille de route, présente surtout dans la première livraison et signée Sébastien, c'est-à-dire Chancel, où l'on peut lire par exemple le cœur est la cellule mère de la condition de toute poésie dramatique, mais aussi des exercices de diction, d'improvisation, etc., proposés aux adeptes, ainsi que d'un courrier régulier avec où Chancel prend le soin de répondre en détail à toutes sortes de questions provenant des troupes amateurs du réseau. On y trouve en outre des pilules de culture théâtrale, surtout d'histoire du théâtre, sous forme de définitions, mais aussi de longues et de plus en plus épaisses pages de bibliographie. Parfois, ce martèlement continu, qui ne se prive pas de phrases isolées distribuées au gré de pages, comme celle de Crème consacrée à la jeunesse qui apparaît dès le premier numéro, donc, cela donne lieu à la publication parfois de documents très très importants, textuels et iconographiques, qui confirment le plus souvent les prédilections de Chancel et du patron Popov, Molière par exemple, ou encore les comédiens italiens. Dans un bulletin qui, à ses débuts, s'adresse surtout aux troupes d'amateurs scouts, une thématique immanquable est celle des veillées et des feux de camp, qui seront pour Chancel le cadre communautaire idéal pour expérimenter ces jeux dramatiques inspirés par le magistère de Popov et notamment par l'expérience des populaires. La revue regorge d'indications et de conseils, de textes explicatifs et des dessins pour cette activité. Autre question très présente, liée directement au travail des comédiens routiers, est celle des chœurs parlés, ou plutôt de la récitation chorale, une pratique de diction et de gestuelle collective à laquelle la revue consacre l'un de ses rares reportages photographiques où l'on loue la qualité des chœurs parlés d'une troupe amateur belge d'inspiration catholique destinée ouvertement à une action apologétique, comparable à celle des chœurs communistes.
dans une publication qui se situe ouvertement du côté d'un théâtre d'inspiration confessionnelle, bien que Chancel aura toujours le soin d'éviter que sa pratique coïncide avec un théâtre catholique, on pourrait s'étonner de trouver l'éloge de troupes communistes. Or, dans ces cahiers, on trouve en réalité un très grand nombre de témoignages d'admiration pour le système théâtral soviétique, notamment en ce qui concerne le théâtre amateur et pour l'enfance, qui font l'objet de plusieurs articles signés notamment par Nina Gorfinkel. Cet engouement est si fort et si répété que Chancerelle, la Russie et nous, que Chancerelle devra même déplorer plusieurs reproches acerbes, certaines suivies de désabonnements du réseau. Le théâtre pour la jeunesse que nous venons d'évoquer est donc un autre terrain de prédilection de la revue. Chancerelle, qui inaugure le théâtre de l'Enclos de Sébastien en 1932, est en effet, on le sait, un véritable pionnier de cette pratique en France. On ne s'étonnera pas non plus de trouver régulièrement dans la revue des articles et des documents consacrés à la commedia dell'arte et au jeu à l'impromptu. Les acteurs italiens étant, pour les comédiens routiers, je cite Gignou, la troisième personne collective de notre trinité, après le théâtre grec, le Père, et le Moyen-Âge, le Saint-Esprit, les copiaux ayant transmis la parole. Et bien évidemment aussi au masque, qui compte des pages et des pages de commentaires théoriques, de conseils de fabrication, etc. Il en va de même pour les décors synthétiques, pour lesquels on recommande de manière parfois très explicite, hein, non, questo proprio non, des dispositifs épurés directement inspirés du très tenu de Copeau. Autre pratique recommandée, pour laquelle on dispense encore une masse de conseils pratiques de fabrication, celle des marionnettes. Dans ce bulletin de travail, on en trouve énormément, il y a des très beaux dessins, je n'ai pas le temps de vous montrer, mais bon, éventuellement je vous montrerai plus tard. Dans ce bulletin de travail, pour reprendre le terme utilisé par Coupeau, ne manque pas enfin des inscriptions pour fabrication de costumes. Alors ça c'est encore les marionnettes. Voilà, fabrication de costumes. Très détaillées, etc. Et évidemment, des conseils pour l'éducation physique et corporelle de l'acteur. À ce propos, à propos de cette dernière question cruciale, observons que la première signature en 1933 est celle de Jean Basté, Copio. La deuxième en 1950 est celle de Jacques Lecoq. Encore un signe de continuité. Effectivement, les cahiers d'art dramatique réapparus en 1945 resteront fidèles à la doctrine théâtrale entièrement inspirée par Copio et suivront son adaptation au contexte de l'après-guerre en prenant une fédération du théâtre amateur, mouvement qui constituera l'un des socles de la décentralisation théâtrale. Et l'attention que ces derniers numéros de la revue consacrent au concours des jeunes compagnies, dispositif clé de la politique prônée par Jean Laurent dans l'après-guerre, en est une preuve évidente. En conclusion, en donnant la parole une dernière fois à notre témoin principal, Hubert Gignoux, on peut dire que les revues de Chancerelle ont donné vie d'abord à la première chronique française étendue sur presque 7 ans de la vie d'une troupe, de toutes ses formes d'action, de problèmes esthétiques, techniques, financiers, moraux, affectifs, de ses relations intra- et extra-professionnelles, des influences qu'elle recevait ou exerçait. Mais également, ça, fin de citation, mais également à une sorte d'encyclopédie des outils techniques et théoriques d'un art du théâtre à réinventer selon le vœu de Copeau, et dont la consultation, encore aujourd'hui, est une source incomparable pour l'historien du théâtre. Une sorte de lieu laboratoire d'expression de pensée
du théâtre, et puis un instrument de travail interne, et en même temps un outil de communication avec le public, un outil qui informe, et un outil qui fait mieux qu'informer, un outil qui éduque, qui transmet, qui éduque et qui construit les éléments vraiment d'un enseignement, avec par ailleurs la nécessité que ces revues marquent aussi de construire une mémoire, une archive d'activités théâtrales fragiles et qu'il convient d'inscrire dans le temps. Voilà, merci beaucoup Marco, et nous allons passer maintenant donc à la communication d'Ariane Martinez, qui est donc maître de conférence habilité à diriger des recherches à l'Université de Lille, qui a beaucoup travaillé avec nous toutes ces dernières années, qui est spécialiste forme théâtrale liée à l'expression corporelle, au mime, à la contorsion, à quoi elle vient de consacrer une très belle étude. Aujourd'hui, Ariane va nous parler donc de La Chimère, qui est un beau titre pour une revue, de Gaston Batty, qui fait exister autrement le rêve de revue de Copeau. Pas besoin de... J'aime pas trop cracher dans le micro. Avant de commencer, je voulais juste dire en deux mots mille merci au GIRC pour ces années de compagnonnage. Parlez plus fort. Mille merci à la Fondation Etienne de nous accueillir dans cette bulle hors du temps qui nous permet d'échanger, et mille merci aux personnes qui sont intervenues hier et qui ont eu des propositions très stimulantes. Je dois aussi dire mille excuses à nos collègues italiens, parce que je comprends un petit peu l'italien, mais je ne parle pas, et donc j'ai fait appel à DeepL, et je pense qu'il va y avoir des catastrophes dans mes tentatives de traduction, et peut-être des choses très drôles, comme c'est déjà parfois arrivé. Donc La Chimère de Gaston Batty et Simon Gantillon. Contrairement aux récits rétrospectifs, les revues de théâtre ont l'immense intérêt de témoigner des aspirations contradictoires ou irréalisées des artistes. Marco l'a bien montré tout à l'heure. C'est le cas de La Chimère, revue tôt éteinte, dont ne parurent que 13 numéros entre février 1922 et octobre 1923. Censé marquer l'envol, c'est son terme, de Gaston Batty, qui jusqu'à présent travaillait sous l'aile de Génier, La Chimère connaît une trajectoire icarienne. Après les succès de Martine, de Jean-Jacques Bernard et de Intimité, de Jean-Victor Pellerin à l'automne 1922, Batty se lance dans la construction de la baraque, entreprise qu'il a voulu modeste, mais qui le conduira à la faillite. André Weinstein a souligné les éléments stables de la doctrine esthétique de Batty dans le chapitre qu'il a consacré à La Chimère, mutin d'art dramatique, au sein de son ouvrage Du théâtre libre au théâtre Louis Jouvet, qu'a cité Sophie Lucet. C'est pourquoi l'intervention que je propose ici reviendra peu sur ces points qui ont été synthétisés par lui. Elle s'attachera plutôt à examiner la façon dont la revue reflète l'évolution des compagnons de La Chimère, leurs projets, leurs succès et leurs échecs au fil des mois. La Chimère constitue en effet une trace précieuse des difficultés multiples rencontrées par un théâtre d'à côté au début du XXe siècle. Dans ces lignes, mais surtout entre les lignes, ou plutôt entre les rubriques, on devine le récit d'apprentissage d'un homme qui aspire à trouver sa place parmi les patrons du théâtre d'art. La revue manifeste en effet un tiraillement entre les intentions affichées par Batty et Gantillon et les réalités multiples qu'il lui faut prendre en compte pour mener à bien l'entreprise théâtrale. Ce sont donc ces tiraillements entre un idéal et des conditions réelles de publication et de représentation que ma communication s'attachera à pointer. Il m'apparaît ces tiraillements de trois ordres. D'ordre esthétique, entre le contenu de la doctrine et la manière dont le bulletin le rend sensible au lecteur-spectateur. D'ordre humain, puisque les compagnons qui annonçaient au départ une structure en faisceau vont finalement être éclipsés par cette organisation assez monocéphale centrée autour de Batty. Et d'ordre économique, parce que l'entreprise désintéressée affichée dans les premiers numéros laisse bientôt place au succès commercial, puis à la quête de fonds désespérés. Alors, entrons dans le projet de La Chimère. En 1922, Batty a 37 ans, un âge déjà mûr.
il n'est apparu que depuis 3 ans, après avoir été l'assistant de Génier, il crée ses propres mises en scène, notamment à la Comédie Montaigne-Génier, qui sera fermée en 1921, là aussi pour des raisons financières. Les compagnons vont donc jouer dans plusieurs lieux, la Comédie des Champs-Élysées, les Mathurins, puis à la Baraque. Dans ce contexte instable, la revue joue un double rôle. D'abord, elle signifie la constance des efforts en dépit des représentations ponctuelles dues à l'absence de lieu fixe. Cette question d'ailleurs va hanter ses pages. Le périodique se pense comme le lieu régulier et idéal d'un théâtre qu'on dit irrégulier. Ensuite, la revue souligne la cohérence de ce que Batty nomme lui-même sa doctrine, ce sont ses termes, et elle est là aussi pour afficher le soutien de ses collaborateurs, acteurs, décorateurs, musiciens, danseurs et aussi de ses auteurs. Ils constituent donc tous les compagnons et leur liste va évoluer au fil des bulletins. Le terme de compagnon peut aussi bien être lu comme une façon bien sûr de désigner les comparses et collaborateurs de Batty que comme une référence aux compagnons du devoir. Quant à la couverture, dessinée par Boris Metchersky, l'un des décorateurs privilégiés de Batty, elle est la même pour tous les numéros. Donc on est toujours dans cette idée d'une constance. Elle contribue à signifier cette constance. Son illustration d'inspiration médiévale fonctionne comme un blason pour les compagnons de la chimère. Ses lignes nettes et sa récurrence témoignent du vœu d'austérité qui s'affiche à plusieurs reprises dans les déclarations d'intention. En même temps, l'image de cette femme, aux seins nus, aux nattes disciplinées qui lui forment comme une laisse autour du cou, aux ailes d'ange et aux pattes de vautour, n'exclut pas les sens, ni même la sensualité. Elle laisse une part aux rêves et aux fantasmes. C'est en cela qu'elle illustre aussi le désir de Batty de donner un corps et un esprit à son théâtre. Batty explicite ce symbole dans son texte inaugural. Dans l'oiseau des contes du Nord, dont les ailes robustes l'emportent en plein ciel, mais dont les serres s'ancrent bien dans le sol, il voit le symbole d'un art et d'universalité et d'équilibre. Et cet art, il veut qu'il concilie enfin l'esprit et la matière, le surnaturel et la nature, l'homme et les choses. Le format de la revue est fixe et très petit, hein. On peut presque le tenir dans une main, 14 cm par 19, il est restreint à 16 pages, et ces 16 pages ne bougeront jamais, ce qui oblige à faire des choix éditoriaux. La numérotation en est continue, comme beaucoup de périodiques qu'on a cités, y compris hier, et les volumes doivent donc pouvoir être reliés avec l'idée de s'inscrire dans le temps et de faire œuvre. Une périodicité mensuelle est annoncée, elle est respectée pour les 4 premiers numéros, après quoi on voit parfois paraître 2 numéros dans le même mois en cas d'intense activité théâtrale, et une période de latence de 4 mois pendant l'été. La revue ponctue en ce sens vraiment la vie théâtrale. Ce qui m'a frappée à sa lecture, c'est donc, je le disais tout à l'heure, l'écart entre le contenu de la doctrine et la manière dont le bulletin le rend sensible. En effet, les textes de Batty ne cessent d'insister sur le fait que le théâtre n'est pas un art littéraire, et qui doit prendre en charge tout ce qui dépasse les mots, que ce soit dans le domaine matériel, les sons, la lumière, le décor, ou dans le domaine spirituel, l'âme et l'atmosphère. Il est, donc Batty, qualifié par le critique Jacques-Robert Franck d'anticlassique. Il a publié un an avant les débuts de la chimère sa première version du texte qui restera quelque part sa signature et qui le rendra célèbre, sa première version du Cire le mot. Texte polémique où il reproche au classicisme français d'avoir réduit le théâtre au seul texte. Son credo, réaffirmé dans les pages du bulletin, est le suivant. Tout ce que peuvent exprimer la lumière, la couleur, le geste, le mouvement, le bruit ou le silence, le mot ne doit pas le redire. Son texte revendique un équilibre entre l'interprétation du texte et la sensation. Son travail sur les sens du théâtre n'est cependant pas conçu comme une immanence. Il doit conduire à percevoir la présence des forces mystérieuses, rattachées tantôt à une spiritualité, tantôt à l'inconscient. Donc voilà une filiation symboliste lointaine. Il y a en ce sens une forme d'insularité de Batty au sein des théâtres d'art de son époque, qui constituent eux-mêmes, il faut quand même le rappeler parce qu'on a des effets de loupe de l'historiographie théâtrale, eux-mêmes un tout petit îlot dans la vie théâtrale des années 20. Tout en revendiquant son inscription dans leur sillage, Batty se distingue nettement de Copeau ou même d'Antoine quant au traitement du texte dramatique. Or, les mots dominent nettement dans les pages de la chimère. C'est là le paradoxe. La revue comprend très peu d'images. Comment se fait-il que la forme très écrite du bulletin soit autant en contradiction avec les aspirations esthétiques affichées par Batty? Alors, j'ai émis plusieurs hypothèses à cette question.
D'abord, une raison financière très simple, le peu d'argent et de place ne permet pas une iconographie développée dans le bulletin lachinaire. Les numéros qui comportent des dessins sont d'ailleurs ceux où la revue de presse est sacrifiée à l'iconographie. Cette publication modeste a la qualité de papier médiocre, ne comporte d'ailleurs aucune photographie. Or, les revues plus luxueuses, comme la danse, le théâtre illustré, le comédia illustré, se chargent à la même époque de montrer des photos des spectacles de Bastille. Donc, ils font confiance à d'autres revues pour le faire. Ensuite, il y a une raison esthétique, tout simplement la revue est envisagée comme le complément doctrinal d'une expérience qui ne peut avoir lieu qu'au théâtre ou dans les expositions, parce que les expositions ne manquent pas dans l'activité de la chimère pour donner à voir autrement cette doctrine. Et enfin, une raison éthique, la sobriété plus en accord avec l'idée désintéressée qu'on se fait des théâtres d'art depuis Antoine. Je reviendrai sur cette idée du désintéressement qui est chère à Bâti. Alors, les quelques images présentes dans le bulletin sont néanmoins belles et instructives. Elles donnent un aperçu intéressant de l'esthétique de Bâti. Au sein du décor de la farce de Popa Georgé apparaît un Castellet qui dit la fascination de Bâti pour l'art de la marionnette, qui le poursuivra tout le long de sa vie. Or, ici, ce sont des comédiens qui jouent et non pas des marionnettes, tantôt devant le Castellet. Quand l'iconographie s'attache au corps, elle a trait plutôt aux activités, on pourrait dire, périphériques de la chimère, dont Bâti n'est pas l'initiateur. C'est le cas, par exemple, de l'étude de mouvement que fait Robert Fléau sur les danses dans le silence d'Yvonne Sérac, ou encore du corps musclé et sculptural de David Benglia, peint par Marcel Sprunk, dans le cadre du programme Afrique. À leur ligne dynamique s'ajoute, dans ce cas précis, une parenté quand même avec certains spectacles de Bâti, ouverts sur le monde et empreints d'exotisme, tels que le Simoun ou Aya, qui se passait en Afrique, précisément au Congo, et dans lesquels Bâti s'est appliqué à faire sentir la chaleur de ce continent. D'ailleurs, Sylvie Chalaï a commenté effectivement cette image comme étant l'une des premières où effectivement, un acteur noir est représenté dans le théâtre d'art. Alors, les rubriques de la revue. Entrons dans cette structure. La ligne éditoriale du bulletin repose sur un équilibre entre manifeste esthétique porté par Bâti et par ses auteurs d'une part, et témoignage de la vie des représentations. Donc, le terme que j'entendions employé hier me semble juste, c'est-à-dire que c'est aussi un périodique d'annonce. Donc il y a des programmes, mais il y a aussi donc des bilans, comme Alice le pointait pour le théâtre libre, et notamment des revues de presse. La revue se présente donc comme une défense et illustration du projet de Bâti. Elle commente peu la vie théâtrale alentour. André Weinstein souligne que ce périodique paraît mûrement concerté comparé à la plupart de ceux qu'il a étudiés à la même époque. Il note aussi que la personnalité de Bâti apparaît vite comme prédominante en raison de sa contribution fréquente. Et je le rejoins en ce sens, au fil des numéros va se dessiner une sorte de jeu de balancier entre la voix du metteur en scène, qui signe des articles longs dans la majorité des numéros, et les quelques numéros où il s'éclipse pour laisser la place à d'autres, qui sont le plus souvent d'ailleurs ces auteurs dramatiques. On saisit aisément que le projet collectif revendiqué au départ par Simon Gantillon, auteur dramatique et directeur de la publication, hein, donc on a toujours cette figure comme celle de Chancerelle, de quelqu'un d'autre qui va assurer la publication pendant qu'un homme de théâtre s'occupe à animer la scène. Donc on sent que ce projet collectif qui était revendiqué par Simon Gantillon a cédé devant le tempérament exclusif de Bâti. Ce constat éditorial est corroboré par quelques propos amers tenus par Bâti lors du dernier numéro, ainsi que par la correspondance déposée à la Bibliothèque nationale de France et que j'ai pu consulter, et qui fait état de tension avec certains auteurs de son comité de lecture, auxquels Bâti a défendu de rejoindre le groupe du Canard Sauvage de Rodolphe Barzins. Bâti aurait en outre reproché dans une lettre à Simon Gantillon en juin 1922 son, je cite, « la charge ». Donc c'est Simon Gantillon qui cite ce terme, reproche injustifié et excessif si on observe l'effort continu de ce dernier au service de cette publication dans laquelle il joue le rôle de seconde main éditoriale. Le tableau que je vous expose ici, qui est bien sûr beaucoup trop fourni pour être lu dans les détails, me semble quand même éclairant quant à cette composition de la revue. Bâti livre 12 contributions sur 13 numéros, donc, qui sont essentiellement des textes manifestes placés en début de volume. Il est clairement celui qui donne la ligne éditoriale,
Il est absent d'un seul numéro, le 9e, mais en fait ce dernier comprend un éditorial non signé qui pourrait bien être de sa plume. Et pour ce qui concerne les contributions signées, elles sont tantôt des notes lyriques, des notes d'intention très lyriques défendant son projet, tantôt des prises de position historiques. Je ne développe pas parce que justement Weinstein l'a très bien fait. Je souligne simplement qu'effectivement la revue ne quitte jamais le lit du fleuve bâti. Sa particularité consiste à inscrire bâti dans un paysage plus large, que ce soit dans le temps, en lui trouvant des filiations avec Maeterlinck, des filiations indirectes avec Baudelaire, ou dans l'espace, en construisant des affinités avec d'autres théâtres d'art français ou étrangers. Simon Dantillon, quant à lui, intervient essentiellement dans les revues de presse. Il suit le mouvement puisqu'il ne l'impulse. Alors, il a seulement deux contributions, dont une pour défendre sa pièce Cyclone, au printemps 1923, mais qui sera aussi la dernière, une des avant-dernières, je crois, publications. Alors, cette autre rubrique récurrente, qui est la note d'intention d'auteur, revient. Ce qui m'a frappé en lisant ces notes d'intention et en lisant aussi bien sûr les programmes, c'est que contrairement à ce qu'il avait annoncé au départ, Bâti ne montre que des auteurs contemporains à cette période. La création d'un comité de lecture en avril 1922, comité composé de 12 auteurs et qui a l'air d'avoir un fonctionnement très démocratique et très bien organisé, a certainement joué un rôle dans cet infléchissement de la programmation vers les textes contemporains. Ces auteurs, qui assurent ne vouloir fonder, donc je les cite hein, dans un écrit commun, ni une chapelle, ni une école, ont pour principal point commun de croire, disent-ils, en la fécondité des idées de Gaston Bâti. Ils sont clairement vraiment fédérés autour de lui. Leurs esthétiques dramatiques sont très variées et voire hétéroclites. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé de plurivocité. Hermann Grégoire et Simon Dantillon tendent avec l'autisme. Lucien, j'aurais appelé Lucien Besnard, mais j'ai appris par Sophie hier que c'est Lucien Bénard, tend vers le régionalisme, en tout cas dans la pièce qui est montée par Bâti. Le Normand est très marqué par l'inconscient freudien. Jean-Victor Pellerin et Jean-Jacques Bernard s'inscrivent dans la filiation de Maeterlinck. Dans l'ensemble, on peut souligner quand même qu'il y a une caractéristique commune, pardonnez-moi, des pièces sélectionnées pour être jouées dans la chimère, c'est qu'elles s'appliquent à rendre une atmosphère, un climat, une ambiance, plutôt qu'à développer une action. Les membres de la chimère répètent à l'envi que Bâti lit tous les textes qui lui sont envoyés, donc il y a vraiment un appel de phare aux auteurs de l'époque, et on sent dans ce groupement autour de lui une forme d'allégeance qui permet justement de nuancer l'image polémique qui mettait en scène pour fendeur du mot dont il avait acquis juste avant. Les deux dernières rubriques régulières de la chimère sont les programmes détaillés des spectacles et la revue de presse. Les programmes des 5 premiers numéros sont accompagnés d'une note à l'intention des spectateurs que j'ai beaucoup aimé voir au fil des pages. L'accès de la salle sera rigoureusement interdit après le lever du rideau. Les artistes demandent au public de ne pas applaudir avant la fin de l'acte. Alors, ce qui m'a intéressé, outre cette note, dont on sait que c'est un peu une des préoccupations des metteurs en scène du théâtre d'art, hein, ne pas applaudir à n'importe quel moment, rentrer de manière disciplinée. Laisser tomber le théâtre social pour entrer dans le théâtre d'art. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle disparaît, cette note, après le numéro 5, donc après le succès de Martine. Détail qui m'a semblé significatif. Est-ce parce que le public connaît désormais les usages attendus, hypothèse optimiste? Est-ce parce que le public n'est plus constitué d'abonnés, je le dirai plus tard, et que la chimère adopte donc des mœurs plus souples à l'égard des retardataires? Ou est-ce parce que la configuration de la nouvelle salle louée permet l'entrée discrète de ces retardataires? C'est difficile à déterminer. On constate par ailleurs dans ces programmes, ça j'ai trouvé ça frappant, une évolution du nombre de rôles et d'acteurs dans les pièces. Signe de l'ambition croissante de Bâti. Les premières productions comprenaient entre 3 et 10 comédiens. En 1923, Je veux revoir ma Normandie de Lucien Bénard compte 24 comédiens et L'aube et le soir de Sainte-Geneviève de Marie Diener, 14, ce qui forcément grèvera le budget. La revue de presse clôt la plupart des numéros, en général rédigée par Simon Gantillon, elle est très sélective, mais elle est longue et elle ne cite que les avis élogieux sur les mises en scène de Bâti. J'en ai trouvé un exemple frappant qui est que les critiques d'Antoine sont seulement mentionnées quand elles sont relativement circonspectes. Donc on remercie Antoine pour son intérêt, pour l'effort continu de la chimère. En revanche, elles sont rapportées quand elles sont positives.
Et lorsqu'un avis négatif est émis et rapporté, il porte sur la qualité de la pièce et non pas sur la mise en scène. Dernier point qui sera très court, les indices du tiraillement financier, que j'ai vu moi en deux types d'inserts, les devises et les publicités. Alors je n'ai pas réussi à trouver le tirage de la chimère, mais j'ai néanmoins décelé dans ces pages une évolution de la relation de Mathy à son public. Le numéro 1 annonce 4 spectacles au cours de la saison réservés aux abonnés, donc qui s'inscrit vraiment dans les théâtres d'à côté dont parlait Alice tout à l'heure. Le projet de départ est vraiment dans l'affiliation d'Antoine. Le numéro 3, à partir de l'installation au Mathurin, est marqué par la fin de la programmation réservée aux abonnés. Les compagnons vont désormais fonctionner à la recette. Au moment du projet de la baraque, la politique commerciale va se faire beaucoup plus nette et offensive, avec les carnets de billets à prix réduit qui sont glissés à l'intérieur des numéros. Ça, je les ai trouvés non pas à la bibliothèque Gaston Bâtie, mais dans les numéros qui sont à la BNF, et avec des promesses dans ces publicités de bons fauteuils. Nous vous donnerons les meilleurs spectacles de Paris quand vous nous aurez donné de l'argent. Donc, appel au mécénat. Quand on lit les 12 numéros à la suite, on est aussi frappé par l'évolution de deux types d'inserts. Les devises, ça pour moi c'est vraiment la marque de fabrique de la chimère, et les publicités. Les devises viennent hanter les blancs de la page du bulletin à ses débuts. Dès qu'il y a un peu de place au bout d'une rubrique, elles sont insérées, soit en rouge, soit en noir, et elles fonctionnent comme des credos. Toutes insistent sur la dimension désintéressée de la chimère, elles viennent appuyer les déclarations d'intention du départ, qui sonnait comme forme de profession de foi, qui érigeait la chimère en ordre mendiant des théâtres d'art, qui était fondée sur la pauvreté volontaire, là aussi ce sont les termes de Bâtie. Alors la principale devise qui est la suivante, la chimère ne se sert pas de l'art, elle le sert. On en trouve 5 occurrences concentrées sur les 8 premiers numéros, et j'ai noté sa disparition significative à partir du numéro 9, alors que la baraque vient d'être construite. Il y a, me semble-t-il, plusieurs raisons à cela. Déjà, l'espace des pages va être saturé. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de blanc pour glisser les devises. Mais surtout, donc, le groupe a voulu s'inscrire dans le paysage théâtral depuis le succès de Martine de Lenormand et sa tournée qui est affichée comme triomphale. Et donc, cette consécration publique permet à Bâti d'investir financièrement dans la construction de la baraque. Or, les déclarations de pauvreté s'accordent mal avec cette interpellation commerciale qui commence à partir de ces numéros. Il n'empêche que cette devise, la chimère ne se sert pas de l'art, elle le sert, marquera durablement l'histoire du théâtre, et je pense vraiment qu'elle est clairement citée, reprise et détournée par Antonin Artaud et Roger Vitrac lors de la fondation du théâtre Alfred Jarry. Alors, ce qu'ils disent, le théâtre Alfred Jarry a été fondé, a été créé pour se servir du théâtre et non pour le servir. Je pense que c'est quand même une allusion assez nette à l'entreprise de Bâti. Et les autres devises, je ne les cite pas, mais effectivement, à partir du numéro 7-8, elles disparaissent. Et on constate une relation de vase communicant entre les devises et les publicités. C'est-à-dire qu'à partir du numéro 7, là au moment où les devises disparaissent, des emplacements alloués apparaissent, alors qu'auparavant, il y avait juste une publicité qui était en quatrième de couverture. Donc ces emplacements sont bientôt occupés par la réclame qui est principalement pour d'autres revues. Donc il y a vraiment une circulation interne des revues entre elles, pour des éditeurs, pour des libraires, pour des romans, pour une maison de couture et pour une maison d'ameublement qui est Brian Robert, qui on retrouve parmi les compagnons de la chimère et qui fournit en outre les décors des spectacles. Destin tragique. Au numéro 13, les publicités ont disparu, mais les devises réapparaissent au passé sous forme d'épitaphe. La chimère était une œuvre, mais pas une affaire. La chimère avait une foi, mais pas de capitaux. Et donc, elles construisent une sorte de destin rétrospectif en insistant sur le fait que l'échec était financier, mais n'était pas esthétique. Et voilà. Donc, je conclue. Très brièvement, il apparaît que la chimère aura été le galop d'essai de Gaston Bâti sur le plan de la revue. Une expérience chaotique dont il tirera des leçons pour repenser à la fois sa relation à ses collaborateurs et sa conception de la revue théâtrale. En effet, il éditera de 1926 à 1942 la revue Masque. Or, si la doctrine de Bâti reste inchangée durant ces deux décennies,
ses choix éditoriaux pour Marx vont vraiment à l'encontre de ce qu'il avait fait au départ pour la chimère, et surtout il en tire, son expérience de la chimère lui a servi. Il n'y a pas d'abonnement. Les pages de publicité y sont allouées dès les premiers numéros. De plus, chaque numéro forme un tout, qui n'est astreint à aucune périodicité. La taille du numéro est variable en fonction du contenu, son prix aussi. Enfin, bâti au fil des numéros de Masque, communique de moins en moins sur la dimension collective de son projet et de plus en plus sur sa célébrité acquise au fil des années. Il s'affirme désormais dans le rôle du patron. Ses ambitions et son inscription dans le paysage, à la fois manifeste, puis refus de bulletin de communication vers un public à la recherche duquel la revue se situe. Alors, on va poursuivre dans cette matinée Weinstein. En passant la parole à Quentin Riwal, qui va nous parler de correspondance. Quentin Riwal a fait une très belle thèse sur les premières mises en scène de Metternich au début du XXe siècle. Quentin Riwal s'intéresse beaucoup à la scénographie. Il enseigne d'ailleurs à l'école des arts décoratifs. Et par ailleurs, il s'intéresse beaucoup à l'éco-scénographie. Dans ses diverses activités de recherche. Il est également artiste de théâtre, il a une compagnie, il travaille beaucoup en recherche-création et il travaille en ce moment un très beau projet autour des souvenirs de l'actrice et artiste Georgette Leblanc. Voilà, donc Quentin va nous parler de correspondance de Charles Dullin, correspondance assurée la liaison. On m'entend ? Ouais. Merci beaucoup. Je mets en place ma petite présentation. Est-ce que ça passe bien ? Il y a un petit. Tout d'abord, mes remerciements pour cette toute l'organisation, pour votre invitation. Je vais vous parler de la revue Correspondance, revue associée au projet théâtral de Charles Dullin à l'atelier. Ce projet théâtral, il naît en 1921, condition que je ne rappellerai pas, mais qui finit par s'installer à la rentrée 22-23, place d'Encourt, dans le théâtre Montmartre, dans le 18e arrondissement. Et cette initiative théâtrale qui naît en 1921, son objectif est de développer un répertoire contemporain d'auteurs de textes contemporains et se construit autour d'une vision du métier d'acteur qui est une vision relevant à la fois de l'ouvrier et de l'artisan. Alors c'est à partir de octobre 1928 qu'a édité la revue Correspondance, qui est pensée comme un lien, et j'ai même envie de dire, pour insister sur l'élément graphique, comme un trait d'union. Alors pourquoi à partir de octobre 1928, on a vu grâce à toi, Marco, qu'en avril 1928, Coppo parle de y aller dans la cervelle du créateur? Eh bien c'est au fond quelques mois plus tard seulement que cette correspondance chez Charles Dullin se met en place. Pourquoi précisément? C'est d'abord grâce au succès de Volpone. Vous voyez ici un petit peu, c'est très clair, mais la colonne la plus haute, c'est 452 représentations de Volpone qui sont données entre 1928 et 1929.
Et c'est grâce à ce succès financier, a priori, que Charles Dunin peut mettre en place cette correspondance pour la petite histoire de Bonnet qui a lieu à Vienne, bien sûr. Alors, au fond, il saisit un moment. Quel est ce moment? C'est un moment avec eh bien, un nombre de spectateurs absolument incroyable, et notamment des spectateurs qui ne sont pas son public. Et ça, c'est un mot très important qu'on retrouve dans la correspondance, c'est mon public, le public de l'atelier. J'y reviendrai dans la deuxième partie. En tout cas, il y a une dimension réactive de cette revue, mais qui n'est pas sans ambition, on va le voir. Alors, dans un premier temps de ma communication, je vous présenterai des éléments, des observations principalement quantitatives qui permettent de traduire les fonctions prêtées à la revue et donc les valeurs qu'elle revêt. Et dans un deuxième temps, selon le temps dont je dispose encore, je vous proposerai une lecture de ce lien avec le spectateur à envisager par Charles Dunin. En quelques mots, pour vous donner des pistes, il parle de éveiller, il parle de lier. On entend aussi l'idée d'inquiéter un spectateur qui pourrait ne pas accepter des spectacles ratés. J'y reviendrai. En tout cas, cette revue, elle correspond à une action paradigmatique voulue, recherchée par Charles Dunin, qui est celle de créer un pont entre la scène et la salle, qui est une action paradigmatique a priori évidente aujourd'hui. Mais ce pont, il passe par la suppression de la rampe, par l'intention de supprimer les entractes, par l'intention de supprimer les rideaux, et au fond ici, de créer une correspondance. Alors, sur les données techniques, pour les principales chevilles ouvrières de cette revue, c'est Armand Salacroux, René Bruyez et Jarre Priel, ces deux derniers qui sont des auteurs, revue qui possède environ 27 numéros avec quelques autres éléments sur une série dite série B. Les numéros sont vendus à 2,50 francs dans un premier temps, puis à 3 francs, avec des abonnements qui sont relativement peu avantageux, mais je crois que ce n'est pas le but de l'abonnement ici, et en valeur de référence, donc j'ai vu que ça équivalait plus ou moins à un kilo de pain ou un quart du prix d'un livre. Sur le format, on est sur de 18 par 13. Je relisais ce que disait André Weinstein, qui donne d'autres éléments, enfin, d'autres chiffres, mais peu importe, c'est quelque chose qui se tient relativement bien dans la main et qui, pour le numéro 1, est accompagné d'une conférence manifeste que Charles Dunin a donnée en 1925. Alors, là encore, un petit écart vis-à-vis des observations de Weinstein, c'est que ce qu'il est assez intéressant de remarquer, c'est que entre le numéro 1 et le numéro 25, on a affaire à une toute autre charte graphique. Autrement dit, entre le numéro 1 et le numéro 25, globalement, c'est une revue éditée chaque mois d'octobre à mai, c'est-à-dire pendant la saison théâtrale. Donc, entre du numéro 2 au numéro 24, il y a une transformation graphique, et j'essaierai de penser ce retour à la charte graphique initiale. Quelle est l'autre charte graphique? C'est celle-ci, c'est-à-dire une revue avec une couverture de couleurs et d'autres pages de couleurs, je le montrerai ensuite, dont on peut penser qu'elle est effectivement un élément qui, sur la table de salon, qui dans la bibliothèque, peut créer une sorte de frise de couleurs et signaler la présence ici d'un théâtre tout particulier, d'un théâtre arc-en-ciel. La composition des pages en termes de couleurs est celle-ci, avec principalement les informations générales des publicités sur les pages de couleurs et les éléments textuels de contenu sur des pages de couleur crème. Je ne reviens pas sur les éléments, mais voici la distribution. Donc c'est vraiment une publication continue d'octobre à mai et qui s'interrompt dans des conditions plus ou moins floues, mais qu'on peut sans aucun doute relier à des enjeux économiques. C'est en tout cas ce que fait Monique Surel-Tupin et Weinstein qui ont consacré des travaux sur
qui ont consacré des travaux à la revue. Simplement mentionner qu'existe un journal qui est publié à la fin des années 31, ce qui peut étonner, c'est-à-dire en complément de numéros de la revue. On peut s'étonner parce qu'on pourrait se dire qu'à partir du moment où on a des conditions financières compliquées, il est étrange de publier ce journal. C'est une inconnue pour moi, je ne pourrais pas répondre à la question. Je ferai simplement remarquer voilà, que publier in quarto, ce journal correspond au format de la revue. Alors, en termes de structure, je vais parler pour la structure de l'organisation interne et ensuite plus en détail d'éléments tels que la publicité, les informations générales et surtout ensuite les articles. Alors, du point de vue de la structure, vous ne pouvez pas le lire, mais ce n'est pas tellement d'intérêt. C'est pour vous montrer encore une fois qu'entre le numéro 1 et les suivants, il y a donc ici, ce sont, chaque livre correspond à une page, et vous voyez un petit peu, vous distinguez les couleurs. Et les couleurs, c'est vraiment ces pages que je vous ai présentées auparavant. On a des pages de publicité d'information générale qui, dans le numéro 1, vont rythmer la publication, et à partir du numéro 2, c'est un encadrement des textes par ces pages, c'est-à-dire qu'on va permettre d'isoler le contenu original de la revue. Ce que l'on observe aussi avec ce graphique, pas besoin de sortir vos loupes, ce qu'on observe, c'est que le volume de pages est extrêmement variable. Weinstein parle d'une moyenne de 70 pages. En vérité, entre les différents numéros, c'est un volume de pages excessivement, excessivement différent qui témoigne de la grande liberté, au fond, de la revue, du processus éditorial et en même temps de sa précarité, on peut l'imaginer. Quelques schémas pour vous présenter des éléments quantitatifs qui permettent de considérer la place notamment des publicités. La place des publicités vis-à-vis du texte, donc j'ai appelé texte le texte original, vous voyez d'autres indications, informations sur l'atelier, page type, programmation extérieure. Les publicités et le texte vont être au fil des numéros les deux constantes principales de cette revue qui donc apparaît clairement comme comme dépendante hein, de cet élément économique jusqu'à des numéros où la publicité eh bien, prend le pas sur les numéros. Un fait notable ici, c'est la présence dans le numéro 17 d'une proportion d'images absolument exceptionnelle liée à la présentation de mise en scène. Petit temps donc sur ces publicités, quelles sont-elles? D'abord, ce sont des publicités pour des éditeurs. Ce sont des publicités, j'ai appelé lifestyle, c'est-à-dire pour un mode de vie qui permet de renseigner aussi sur le potentiel lectorat. C'est madames et messieurs qui ont besoin d'un équipement idéal pour les voyages, et celles et ceux qui peuvent soit rechercher des manteaux ou des voitures, et puis enfin des publicités relatives à la décoration, notamment s'agissant des tapis, de l'ameublement, du linge de maison. Petite parenthèse. Vous ne le lisez pas peut-être, mais c'est écrit l'objet fait le lien sur cette pub Hermès. Cette pub Hermès, elle apparaît au dos des feuilles de salle de l'Odéon. Alors, je ne sais pas très bien quoi faire de tout cela, mais moi j'ai été relativement, mon anticapitalisme qui m'a fait sursauter quand j'ai découvert ça au dos de la feuille de salle de l'Odéon, avec ce titre « L'objet fait le lien ». Et quand j'ai préparé cette communication sur la pensée d'une revue qui fait le lien avec le spectateur, avec du contenu, m'est apparu assez brutalement, de nouveau, cette publicité, l'objet fait le lien. Je ne sais pas quoi en faire, je vous laisse en faire ce que vous voulez. S'agissant des informations générales, quelles sont-elles? Il s'agit des affiches, des titres, non seulement de l'atelier, mais des autres théâtres
du cartel notamment, théâtre de Louis Jouvet, théâtre de l'avenue pour Gaston Bâti, théâtre des arts de Rodolphe d'Arvins. J'ai lu récemment qu'Armand Salacroux, qui était un grand connaisseur en termes de publicité, avait proposé aux différentes directions de réaliser une revue pour l'ensemble du cartel, ce qui a été écarté manifestement. Il n'en reste pas moins que donc, leurs affiches apparaissent au sein de la revue, ainsi que le programme de saison de l'atelier, les mardis de l'atelier, qui sont ces mardis du répertoire dédié aux jeunes auteurs, des éléments sur l'école de l'atelier et sur ses amis de l'atelier, qui sont la société d'abonnés. Alors, sur les articles, très rapidement, vous voyez encore la grande diversité en termes de contenu. On peut avoir des numéros avec beaucoup d'articles relativement courts, d'autres avec des articles très longs, mais c'est surtout le type d'article qui m'intéresse, et que le schéma suivant rend plus explicite, plus un petit peu. C'est un gros calembert, qui permet de se rendre compte d'une part que l'histoire du théâtre historique et contemporain représente la majorité du contenu textuel de cette revue, avec ensuite le résumé des œuvres, l'avis de l'atelier, et fait plus important, les portraits d'artistes, et fait plus important pour moi, au fond, la correspondance qui doit être ce lien avec le public. Il ne traite ce lien avec le public comme sujet véritable que pour 4% de son contenu. Et je vais revenir sur ce dont ça témoigne. On ne peut pas effectivement réduire l'idée de ce lien avec le public à la seule manifestation de ce thème au sein de la revue, mais en tout cas, c'est un enjeu qui est proprement discuté, et pour une partie qui est quand même limitée dans les sujets des articles publiés dans Correspondance, du numéro 1 au numéro 27. S'agissant des auteurs, c'est lisible aussi, mais vous voyez les barres du bas qualifient dans l'ordre de bas en haut. D'abord, c'est Charles Dudin, qui est le principal auteur des textes de la revue. Ensuite, les chevilles ouvrières, soit le secrétariat général, soit la direction de la publication. Et donc, on retrouve Armand Salacroux, Gérard Briel, René Briez, Yves Bucler, et surtout, je me permets de la mentionner parce qu'elle joue un rôle absolument déterminant dans le premier numéro de la revue, et puis auprès de Charles Dudin, Simone Canissens, à savoir Simone Jolivet. Et au fond, ça pourrait être, donc ça c'est un nombre d'articles par auteur, et globalement si on traite la question par rapport au nombre de pages par auteur, Armand Salacroux prend la main, mais on est sur des rapports relativement équivalents, ici le classement ayant été maintenu sur le nombre d'articles. Quelles sont les professions de ces auteurs? Et principalement des écrivains, deux écrivaines malgré tout, et sinon plutôt des artistes, acteurs ou metteurs en scène. Alors, sur la question précisément du public, ce qui est important de noter d'après moi, c'est qu'au-delà du projet de correspondance, d'assurer cette liaison, cette correspondance, l'expérience de cette correspondance, elle permet à Charles Dudin d'observer un fait que Marie-Madeleine Mermoroux a mis en avant, c'est-à-dire que le spectateur de théâtre, elle l'a fait d'un point de vue anthropologique, hein, que le spectateur de théâtre n'est pas d'abord... que le spectateur de théâtre n'est pas d'abord un spectateur de théâtre, que c'est un spectateur du monde. Charles Dudin se rend compte que le spectateur de théâtre est surtout un spectateur qui ne va pas au théâtre ou qui va rarement au théâtre. Et donc le gros enjeu de Charles Dudin, c'est de fédérer une communauté qui serait prête à la collaboration, voire à la coopération, voire à la communion autour d'une œuvre.
celle du théâtre de l'atelier, autour d'une œuvre, hein, il nomme véritablement comme tel le théâtre de l'atelier lui-même, ce qui lui permet de qualifier non pas un public, mais de qualifier son public. Alors, cette entreprise, elle se fonde d'abord dans le numéro 1, je vais rester sur l'élément suivant, dans le numéro 1 à travers une scène qui est une scène originelle. Significativement, le premier numéro de la revue Correspondance s'ouvre avec une dédicace de Charles Dullin à Madame. Madame, c'est Simone Jolivet, mais on ne le sait pas encore. Simone Jolivet va répondre dans le numéro 3 de cette correspondance. Charles Dullin décrit une scène qui a valeur de scène originelle, alors que le froid saisit la troupe de l'atelier qui se prépare à jouer La vie est un songe, on est en 1921, à un quart d'heure du lever de rideau, la salle est absolument vide. La salle est absolument vide, puis, écrit-il, je vous vis entrer la première. Alors, on parlait du théâtre comme objet d'érotisation. Ici, on a l'érotisation du comédien ou de la comédienne, surtout. On a l'érotisation par un comédien, par ailleurs metteur en scène et directeur, d'une spectatrice. Cette spectatrice qu'il voit entrer la première. Alors on n'est pas dans le topos romanesque de et leurs yeux se rencontrèrent, parce que je connaissais déjà votre visage, écrit-il. Vous étiez déjà venu à la même place, précise-lui. Qu'est-ce qui est en jeu alors dans, au fond, cette reconnaissance, ce retour, ce recommencer à la même place? Elle précise l'attention de Charles Dullin, évidemment, au sujet spectatoriel, et l'attention que celui-ci apporte avec lui. Et on pourrait jouer sur cette question de l'attention, l'attention et l'attention. Alors que la femme de Dullin annonce que la salle sera peut-être chauffée d'humain, donc demain, une autre femme à l'époque, j'observais votre visage, il sourit. Donc, remarque, observation du sourire du spectateur, applaudissement du spectateur pour cette bonne nouvelle, il fera peut-être chaud demain, vous pourrez peut-être venir au théâtre sans avoir froid, et observation de ce col relevé. C'est-à-dire observation, au fond, non pas d'un acteur au travail, mais d'un metteur en scène qui regarde la propre pièce qui est en train de se jouer dans le public. Cette attention ne s'éteint manifestement pas avec le début du spectacle, puisque c'est alors qu'il est en jeu que Dullin dit voir tout ceci. On n'est pas dans un temps avant le spectacle, mais véritablement dans un temps pendant le spectacle, on a une forme de retournement du regard. Et cette spectatrice, poursuit-il, avait jeté le pont entre la scène et la salle. Une correspondance mystérieuse s'établissait entre nous, nous n'étions plus seuls. Et c'est cette correspondance qui donne son nom à la revue, qui est autant une correspondance littéraire dans le projet qu'offre la revue, qu'une correspondance mystérieuse. Et c'est, à mon avis, tout l'intérêt de cette revue, à la fois de penser un lien absolument clair, matériel, évident, que je termine, c'est ça ? Tu as 2 minutes. Okay. Évident avec le spectateur et en même temps de réaliser une forme de mystère, mystère qui naît dans l'inquiétude qui peut être provoquée vis-à-vis du spectateur parfois des contenus trop compliqués, parfois des contenus trop riches à des spectateurs dont Charles Dullin fait une sociologie rapide entre spectateurs non publics, snob de première zone, snob de seconde zone et le tout venant. Alors, cette scène est originelle à plusieurs titres d'après Charles Dullin. D'une part parce qu'elle sauve l'entreprise théâtrale, elle sauva peut-être l'atelier, parce qu'elle permet une critique de la vision marchande du public, une politisation du désir artistique, une mise à mal de la posture de l'art pour l'art, une élaboration aussi d'une vision du théâtre et une manifestation, une observation de l'incandescence de la présence spectatorielle. Alors, en résumé, ce projet n'aboutit pas,
Il mène à une enquête à la fin des numéros pour la revue théâtrale la plus intéressante, la mieux faite, ne trouverait pas en France un nombre de lecteurs égal à son n'importe quelle revue d'un autre genre, excepté une revue de poètes. Cependant, les revues de cinéma, de sport, de fêtes d'hiver, et là on pense à hier après-midi, touchent un public considérable. Qu'est-ce que vous en pensez? On en fera un numéro spécial. Et à vrai dire, on n'a aucune trace de ce numéro spécial, comme très très peu de traces des lettres que Charles Dullin demandait à recevoir de la part de son lectorat. Alors, on aimerait rester à cette idée. J'avais écrit « être inutile et correre », « rien ne sert de pourrir », c'était le mantra de l'atelier au tout début de son existence. Pour conclure, quelle est cette correspondance? D'abord un organe d'autopromotion, ensuite une revue manifeste dans le temps qui traite de la concurrence du cinéma, du théâtre de divertissement pour justement ce spectateur de théâtre qui n'est pas d'abord un spectateur de théâtre, qui traite des dangers des excès de la mise en scène, qui revendique la centralité de l'auteur de théâtre tout en ayant comme principale figure un metteur en scène et un acteur, et la précarité des conditions versus l'intensité de la vocation, et au fond, l'observation la plus dangereuse, et bien c'est cette indifférence du public qui est encore un danger, comme peut en témoigner l'article publié par Thomas Brucker dans Théâtre Public, il y a quelques mois. C'est aussi un dossier dramaturgique et un précis d'histoire du théâtre. Et surtout, je dirais, un geste, effectivement, un outil, mais aussi un geste d'extension de la séance, pour le dire avec les mots de Christian Bier. C'est-à-dire un geste qui allonge la séance en amont et en aval, ma question étant, cette extension-là, pour qui est-elle? Est-ce qu'elle est véritablement pour le spectateur? Je crois d'abord pour avoir réalisé une revue et au fond avoir eu assez peu de retours des lecteurs, qu'une revue c'est aussi quelque chose que l'on fait pour soi. Et malgré cette vision qui est effectivement une vision de spectateur au balcon qui prend depuis court un angle très, très spécial, je crois que malgré tout, malgré cette principale image, on peut considérer que c'est aussi le regard de Charles Dullin, c'est le regard du metteur en scène qui, de biais, prend le temps d'observer une œuvre en construction. Je vous remercie. Merci pour cette communication très, très précise et suggestive qui ouvre sur des questions larges qui concernent le panel des revues qu'on a pu envisager ce matin. Alors, nos orateurs, je félicite ici, ont tous admirablement tenu leur temps. Il est 10h53. Alors, je ne sais pas à quelle heure la pause café est prévue exactement. Est-ce que vous souhaitez? Est-ce que 10 minutes de discussion, c'est possible avant la pause? Oui? Max, 10 minutes. Très bien. Alors, il y a énormément de questions. La première main qui s'est levée, c'est Quentin Fondu, qui je vais donner la parole, et puis je reviens vers vous. Quentin? Le micro va arriver. Merci beaucoup. J'ai deux questions. La première pour Alice Folco. À la fin de ton intervention, tu as parlé de la revue du théâtre de l'œuvre comme une revue internationale. En quoi est-ce qu'elle l'est? Est-ce que c'est juste un vœu pieux ou quelque chose qui est mis en avant? Est-ce qu'il y a des échanges et des vraies circulations? Et l'autre, un petit peu sur la même chose à propos de Gaston Matty, est-ce que son séjour en Allemagne a également aussi influencé de quelque manière la revue en question? Est-ce qu'il y a, d'une part, cette influence qui s'observe dans la revue, et d'autre part, est-ce que la revue est elle-même aussi le réceptacle de ces échanges? Je commence peut-être. Non, c'est une vraie revue internationale au sens où il y a énormément d'articles qui sont publiés sur le théâtre roumain, le théâtre argentin, le théâtre en Turquie. Enfin, il y a un vrai effort thématique, en réalité, au niveau des contenus. Là où c'est une revue internationale,
international et aussi plus intéressant, c'est que en gros l'UNIEBO est en train d'essayer d'organiser quelque chose qui va un peu à l'encontre politique d'une certaine manière de ce qu'on promeut beaucoup en 1900 en France, c'est-à-dire d'essayer d'organiser la circulation des artistes. Donc il y a énormément de... Il y a des petits mots pour dire il faudrait absolument que quelqu'un fasse venir l'Oiseau Bleu de Stanislavski. Il y a toute une campagne pour faire venir Max Reinhardt en France. Ça marche pas, mais il y a vraiment... donc c'est à ces deux niveaux-là. Je pense que pour le coup, c'est une promesse relativement tenue et qui s'accompagne aussi avec des intérêts marchands, puisqu'en fait, Lumière fait tourner énormément d'artistes en Europe et en Cladus dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a aussi toute une partie du... Il fait tourner beaucoup d'actrices, en fait, y compris des femmes qui jouent dans des vaudevilles tout à fait classiques, enfin, je veux dire, de le théâtre privé, d'une certaine manière, mais qui font des tournées de prestige. Donc non, c'est... Et puis, il a travaillé avec les alliances françaises. Enfin, il y a un vrai... c'est, pour le coup, c'est pas un vœu pieux, il me semble. C'est un vrai... C'est très différent pour Bati. Alors, dans la revue, en tout cas, quand ça parle des étrangers, c'est pour souligner la proximité avec, enfin, la proximité de l'effort des théâtres d'art. Alors, il y a les seuls, je suis allée regarder là parce que je ne me souvenais plus très bien, je sais que j'en avais parlé quand on l'avait fait lors du séminaire, mais j'ai dû sabrer forcément pour des questions de temps. En tout cas, ce qui est mentionné dans la chimère, c'est beaucoup les tournées à l'étranger. Donc, c'est là que l'étranger est mentionné pour valoriser l'œuvre de Bati, et notamment il y a toute une revue de presse, alors il faudrait que je retrouve la date, mais c'est qui sont sur les tournées dites en tout cas triomphales en Hollande et en Belgique. Donc on valorise l'œuvre de Bati, mais pas tellement l'œuvre d'autres metteurs en scène étrangers, si ce n'est juste pour les comparer à Bati à certains moments donnés dans la revue de presse, pour dire que c'est un effort qui est global. Que ça ne concerne pas que les Français. Voilà, on n'est pas du tout dans le même type de positionnement. Il y avait deux questions. À propos de Bati, l'Allemagne, c'est fondamental pour Bati. Tout part de l'Allemagne, parce que c'est à Munich qu'il s'est formé en tant que homme de théâtre chez Erler. L'Allemagne, sa formation en Allemagne, a déterminé toute sa spécificité. Mais c'est pas pour autant qu'il en parle. Il y a beaucoup de questions, donc on va passer. Alors, le micro est là et ensuite on va revenir devant. Madame, vas-y. Io più che altro una considerazione per Marco Consoli. Mi ha interessato questa lettera di Gogò a Chancerel del 12 aprile 1928, in cui Gogò parla di questo bollettino di lavoro come qualcosa che è simile al cervello di un creatore drammatico, no? Allora mi chiedevo, la rivista nell'ottica di Popò è una sorta, dovrebbe essere, o così la vede, come un tentativo di rendere quindi visibile quel processo non visibile che è il processo della creazione artistica, della creazione teatrale, che è così complesso proprio perché è formato appunto da una pluralità di fasi e di linguaggi. Quindi la rivista potrebbe essere vista, o così forse la intende Popò, cioè come la possibilità di rendere chiaro, razionale, leggibile questo processo complesso che è il processo della creazione drammatica dall'inizio fino a poi alla messa in scena. Non so se è... Sì, ho capito. Sì, nel senso che vorrebbe che fosse quello. Ma è proprio una proposta chimerica. Esattamente. Vorrebbe che fosse quello, ma anche un'enciclopedia, ma anche un bollettino di lavoro. E il modello è evidente, è quello di The Mask di Gordon Craig, che è effettivamente questo cervello del creatore drammatico. Perché si entra dentro la testa, quando si entra dentro The Mask, si entra dentro la testa di Craig. In certo modo. Però lui dice prima aveva detto a Jouvet, già nel 15, Craig non è un più grande teorico, ma non è completo perché non è un teatro, perché Craig ha smesso di fare teatro per fare la rivista. Quindi lui vuol fare il teatro, questa rivista cervello, che sia anche un'enciclopedia, che sia anche un bollettino di lavoro concreto, quindi non ci riesce. Esatto. Non, ovviamente, non ci dice. Deux questions devant. Trois même. On va commencer maintenant.
une suggestion pour Marco Consolini. C'est la date de 1928 qui m'a fait penser à une petite chose qui pourrait être assez éclairante. Pourquoi peut-être Coppo relance l'idée d'une revue en 1928 ? C'est peut-être parce qu'il a lu en 1926, sur le bateau qu'il a ramené des États-Unis en France, « My life in art », »,« Ma vie dans l'art » de Stanislavski, dont il a été assez émerveillé et pour lequel il écrira une préface. Et on retrouve d'ailleurs, alors la traduction en français a eu beaucoup de rebondissements, elle a eu lieu en 1934 et comme par hasard, elle a été traduite, voilà, traduite par Nina Gorfinkel avec Léon Chancerelle. Donc on fait le lien et je crois que la cervelle du créateur, en fait, je pense que Coppo a été assez fasciné par ce qu'il a lu dans Ma vie dans l'art, qui est une espèce de, bon, c'est moins une autobiographie qu'une espèce d'histoire de la fabrique du spectacle à partir de ses propres expériences. Et c'est pas un hasard non plus si le système de Stanislavski est en train de s'élaborer. Stanislavski a envoyé une variante à Chancerelle et Gorfinkel. C'est une histoire un peu mystérieuse qu'on est en train de déchiffrer parce que dans mon institut, nous avons des archives de Nina Gorfinkel et elle est en train de s'intéresser à la question. Et apparemment, donc Nina Gorfinkel a lu les premières esquisses du système. Elle a été très très négative, ce qui explique que malheureusement le système de Stanislavski a été traduit très tard. Voilà, mais je pense que voilà, il y a ce sous-texte qui me semble assez éclairant, voilà, entre Coppo, Chancerelle, Nina Gorfinkel et les comédiens routiers, etc. Le lien est évident, merci de le signaler. Je n'ai pas eu le temps de faire, mais l'activité éditoriale de Chancerelle ne se limite pas aux revues. Il y a une collection dont il y a le livre de Gorfinkel sur le théâtre russe, il y a donc la Ma vie dans l'art. Et donc c'est tout à fait juste ton observation. Mais Coppo, j'insiste, il veut faire trop de choses, il pense à trop de choses, il n'y arrive pas. La découverte, il le connaissait déjà évidemment, la découverte de Ma vie dans l'art, My Life in the Art, donc la version anglaise, est fondamentale pour lui, il s'identifie en Stanislavski. Mais ça, à mon avis, ça génère plutôt tout le projet mémoriel de Coppo, c'est-à-dire d'abord les souvenirs du vieux colombier et surtout le grand ouvrage qu'il voulait faire, les registres. Mais le modèle révuistique, c'est celui de Craig. Ça me paraît évident. Jean-Claude Dion. Alors, deux points de remarque pour Alice, que je remercie beaucoup. Et qui dira si ce que je dis te semble convaincant. Première chose, en fait, ce que tu nous as montré ressort autant à l'histoire du programme, en partie, qu'à l'histoire des revues. Et on est au moment où précisément le programme de salle dans les théâtres commerciaux apparaît, avec en fait la fin de l'entracte racheté par l'illustration, et puis ces petits programmes qu'on connaît tous, le petit format carré, etc. Donc on voit pour le théâtre libre que finalement, on a beau être à côté, mais on s'insère dans un mouvement plus général. Et allant dans le même sens, ce que tu nous as montré sur le théâtre libre illustré, ça sent quand même une sorte de récupération par Dantu, qui n'est pas du tout un éditeur d'avant-garde, de ce phénomène. Et Romain me soufflait à l'oreille les premiers illustrés qui datent des années 1880, qui sont le même modèle. Donc ces deux éléments vont dans ce sens d'un théâtre d'à côté qui s'insère dans des pratiques un peu générales, y compris de gens qui, a priori, y mettent au pilori, mais qui reprennent en partie. Donc, est-ce que ça te semble une lecture possible? Oui, tout à fait. Après, complètement, mais du coup, il y a cette idée quand même de rajouter, j'insiste toujours, sur nous, on enrichit avec de la valeur artistique. Oui. C'est-à-dire qu'on reprend le format, et qui en plus est utile et dont on a besoin de toute façon, mais en essayant de le positionner autrement dans le... Non, non, je suis tout à fait. Merci. Et Evangelia Sted. Merci, Jean-Paul. Alors, d'abord, merci beaucoup parce que c'était des communications très intéressantes et qui me semblent poser la question générale de comment la scène se lie à l'imprimé. Et ce qui me paraît intéressant dans la manière.
manière dont la question est posée par rapport à la revue identifiée en tant que telle, c'est deux choses. D'abord, je crois qu'il faudrait peut-être élargir le spectre et faire une place à la publication sérielle, que ce soit le programme ou que ce soit, par exemple, celui d'un du théâtre qui apparaît de manière annuelle et qu'on ne sait, dont on ne sait pas très bien quoi faire ou le placer. Ensuite, deuxième chose, mais je ne veux pas ouvrir ce dossier parce qu'il y a deux numéros spéciaux, il y a un dossier spécial dont la RHLF en 2020 et un numéro spécial du Journal of European Studies en anglais qui est en accès libre sur la notion de petite revue et comment cette notion doit être absolument problématisée aujourd'hui, comment la préface que Rémi Bourmont, qu'a mentionné Sophie, doit être mise en perspective. Parce qu'on a, en fait, pour le dire très brièvement, ce qui a été appelé la petite revue est une posture et pas un format. Et cette distinction entre la posture petite revue et format est fondamentale, me semble-t-il, parce qu'on a tendance à faire porter à tout ce qui est petit quelque chose qui est nécessairement évanescent ou qui va disparaître. Et donc cette histoire de comment penser la scène et son rapport à l'imprimé, il y a tout un tas de choses que vous avez mentionnées les uns les autres, comme par exemple la publicité, qui est une véritable force économique de l'époque, dont il faut faire quelque chose de plus fondamental, me semble-t-il, dans l'approche. Alors je voulais juste savoir ce que vous pensez de cette série de propositions. Moi, je voudrais juste réagir à la première question, c'est-à-dire des publications sérielles, si j'ai bien compris, c'est-à-dire des objets éditoriaux qui ne sont ni le livre, ni la revue. Et l'exemple que je vous ai apporté de Prospero, donc, moi, j'étais persuadé que c'était une revue, puis je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment une revue. Et pourtant, c'est presque une revue, parce qu'elle est numérotée, c'est une collection. Et qui fait d'ailleurs corps avec les restes, les autres revues. Et il y a beaucoup d'éléments comme ça. Masque, c'est un peu ça, hein. c'est pas autant revue que La Chimère, chez Bati, plutôt un recueil. C'est des volumes, voilà, qui paraissent au fur et à mesure de l'activité de Bati, en fait. Et effectivement, il n'y a pas la périodicité de la revue. Mais ça s'appelle quand même revue, hein. Il le qualifie comme ça, me semble-t-il. Tout ça pour dire que, qu'effectivement, il y a cette ambiguïté entre les objets éditoriaux et qu'il ne faudrait pas mettre de côté. C'est tout à fait juste. Je crois qu'il y a une question, peut-être encore deux trois questions, puis on passera au café, on va poursuivre ces échanges à côté. J'avais deux questions, remarques. Je suis frappée par cette question, par ce qu'a dit Alice sur la prolongation, la volonté d'André Antoine de prolonger son travail théâtral par le biais des revues. Ça me rappelle fortement ce qui se passe au même moment pour l'architecture. Il y a une étude, je n'ai plus retrouvé le nom, c'est une chercheuse américaine qui a travaillé sur le tournant, cette modernité, fin 19e, début 20e. Et la manière dont l'architecture était prolongée et médiatisation de l'architecture par d'autres moyens, par le moyen des médias. Je ne sais pas si c'est pareil, comme c'est quelque chose qui se passe et qui ne concernerait pas que le théâtre, dans la manière dont on prolonge le travail théâtral par d'autres médias. C'est la première chose. Et la deuxième chose, par rapport à la notion publique qui a été développée dans la dernière communication, je me demandais justement si on ne pouvait pas travailler sur cette question de... Enfin, je pensais à Christophe Orban qui travaille sur la notion d'espace public théâtral et d'un espace public théâtral qui du coup n'est pas simplement scène-salle mais se développe aussi par le biais des revues et par le biais des différents médias et qui s'élargirait donc par ce biais-là et donc qui sera envisagé quand on parle de public et peut-être d'espace public, espace public théâtral plus largement. Voilà. Oui, absolument. Alors, je ne suis pas suffisamment connaisseur des questions de sociologie
partir de des réflexions contemporaines, c'est que la revue manifeste le temps long du théâtre et manifeste en tout cas la tentative par les artistes de faire durer l'œuvre dans la tête des gens. Et c'est au fond là aussi où se noue dans la considération vis-à-vis de l'histoire du théâtre, vis-à-vis de l'histoire des pièces, dans le portrait des auteurs, mais quelque chose comme une élongation qui ne serait pas problématique de ce temps-là, en créant effectivement des espaces publics qui sont comptabilisés au tout début du projet. Chardinin parle, si j'ai une spectatrice, c'est suffisant. Ensuite, il dit on est 6 à 7 000 spectateurs autour du numéro 10, 11. Et puis, à toute fin, si on a 20 spectateurs, c'est déjà bien. Donc, on a une perception de l'espace public qui est structurée autour de l'atelier et qui moi, me permet qui se traduit chez moi plutôt par le terme foucaldien d'hétérotopie que celui d'espace public véritable avec une sorte de vision programmatique. Une transformation de la société, mais il y a quand même l'idée d'une transformation du spectateur à partir de 20 spectateurs, si je dis ça quand même, à partir de 20 spectateurs, à partir des quelques spectateurs de l'atelier, même s'il ne restait qu'eux, on pourrait reconquérir tous les autres spectateurs potentiels. Donc ensuite, c'est à voir ce qu'on place sous le terme de vocable espace public, comment on le positionne dans l'histoire et dans la sociologie des années 20-30. Ce qui est sûr, c'est que s'exprime aussi une considération par Dumas du contexte historique, considérant notamment que le théâtre doit s'adapter à ce qu'il présente du fait notamment des horreurs que les personnes ont vécues 10 ans auparavant, que le traumatisme de la Première Guerre mondiale existe encore. Ça paraît être une très belle œuvre de réflexion. Il est 11h12, je propose que nous poursuivions ces discussions autour d'un café. Merci à tous. Le programme est très chargé et donc on va reprendre avec une séance qui, après, au service d'un projet esthétique, ça sera au service d'un projet idéologique. Hein. Donc on s'est al servizio del progetto estetico, passiamo al servizio del progetto ideologico. E dunque senza perdere tempo, do subito la parola a Marie-Christine Thomathieu, che è un'altra afficionata del gruppo Ricerca sulle riviste, che è direttrice di ricerca emerita al CNRS, è una grande specialista del teatro russo, ha dedicato tantissimi lavori in modo particolare a Stanislavski e alle filiazioni di Stanislavski, sulla questione importante delle azioni fisiche e j'en passe des meilleurs, come si dice comment dire en français. Donc, je vous donne tout de suite la parole pour une communication qui a comme titre Vesnik Théâtre, fer de lance de la révolution théâtrale au lendemain d'octobre 1917, donc 1919-1921. Merci. Je commence par des remerciements pour l'organisation absolument remarquable. Moi aussi, je suis très heureuse d'être dans cette bulle de pur bonheur. Je suis malheureusement pas de la famille du Grit, mais je suis très heureuse d'y avoir été accueillie, même tardivement, mais je suis très heureuse d'être avec vous. Donc ma communication porte sur une revue que je suis presque sûre d'être la première à l'avoir consultée en totalité. C'est une revue qui s'appelle « Messager du théâtre »,
et qui est paru, donc, comme je vais l'expliquer, pendant la guerre civile, ce qui explique un certain nombre de positions extrêmement dures. Alors, je suis désolée, je vais être extrêmement synthétique, je vais aller à l'essentiel, ça vous paraît peut-être un peu schématique. Donc, vous savez sans doute qu'en 1917, il y a eu deux révolutions, 7 de février et 7 d'octobre. Donc, la première révolution de février 1917, qui a été suivie par l'abdication de Nicolas II, avait laissé espérer une autonomie des affaires théâtrales que les principaux acteurs des grandes compagnies, notamment les théâtres impériaux, avaient réclamé et qu'ils étaient prêts à prendre en main. Après la levée de la censure, donc ce n'est pas la censure qui a été levée dès le mois de mars-avril 1917, et la transformation des théâtres impériaux en compagnies d'État, l'urgence et l'étendue des réformes à mener sautent aux yeux. Une des principales revues de théâtre à l'époque, qui s'appelle Théâtre Escousse, le théâtre et l'art, dirigé par un grand critique, Alexandre Pouguel. J'ai oublié de faire passer moi, les messages en italien, peut-être très mal traduit. Cette revue, donc, le théâtre et l'art, défend une totale liberté de pensée, réclame la fin des pressions administratives, des pressions de l'Église et des pressions policières. Chaque théâtre pourra choisir son directeur, qui agira de manière autonome, en dépendant d'un nouveau ministère des Beaux-Arts. Les billets, donc dans cette vision idéale, seraient accessibles au plus grand nombre. Devant la menace bolchevique qui se profile pendant l'été 1917, la revue se positionne, elle a très vite compris, ils ont très vite compris à qui elle allait avoir affaire, se positionne contre toute politisation de l'art. Et après le coup d'État d'octobre 17, les numéros expriment les humeurs catastrophistes des milieux artistiques qui déplorent l'effondrement de la culture, le vol des vols de matériel, les agressions, les arrestations d'aristocrates bienfaiteurs ou d'artistes fameux. La ruine financière qui touche tous les citoyens, le délabrement des bâtiments qui commence. Cette critique ouverte de la situation théâtrale ne pourra durer qu'un an. Aucune revue de théâtre existant avant octobre ne survivra en 1918. De nouvelles publications vont réapparaître à partir de 1922-23 sous la nouvelle politique économique, relance de partielle de l'économie de marché autorisée par Lénine. Mais pendant la guerre civile, qui dure le plus fort de la guerre, c'est entre la fin 17 et 1921, même si la guerre continue jusqu'en 23, donc le messager du théâtre, Disney Théâtre, sera donc l'outil, l'organe privilégié de l'actualité théâtrale. Alors voici donc la couverture, une des couvertures de cette revue, très pauvre, hein, on va le voir, qui donc paraît dans une période extrêmement difficile. Le commissariat à l'instruction publique, c'est-à-dire c'est l'équivalent du ministère de la Culture, le Narcomfos, qui, au lendemain d'octobre, regroupe l'éducation et les arts, va créer en janvier 18 un département théâtral qui va gérer toutes les compagnies professionnelles et amateurs, à l'exception des théâtres patrimoniaux, les ex-théâtres impériaux, qui sont à part. Son premier organe, c'est Brimini Théâtre, une chronique théâtrale qui est faite de décrets et de décisions sur la reconstruction des affaires théâtrales. Mais cette chronique n'a aucun succès et il n'y a que deux numéros. La revue qui lui succède, donc s'appelle Le Messager du Théâtre, dès le 1er février 1919, est bien différente. Il ne s'agit plus simplement d'informer, mais de transformer, de prolétariser le théâtre, d'encourager la naissance de nouvelles formes, tout en conservant, en les réformant peu à peu, les prestigieuses compagnies de la d'ancien régime. Durant trois années, au fil de 94 numéros, du 1er février 1919 jusqu'au 15 août 1921, le Messager du Théâtre présente l'enjeu de la reconstruction. La centralisation après la nationalisation qui a été effectuée en été 1917, la révision du répertoire classique, la réécriture du répertoire classique dans le sens bolchevique, la composition de nouvelles pièces, le développement du théâtre en province et dans les faubourgs, jusque-là oubliés, et c'est pour compte. Il s'agit aussi de donner la parole au simple public, aux correspondants ouvriers, de présenter les débats qui ont accompagné les congrès, les nombreux congrès, théâtre ouvrier paysan, théâtre de l'armée rouge, théâtre de la culture prolétarienne, d'annoncer la célébration des fêtes révolutionnaires
et d'inciter à des actions collectives. L'apparition de la revue pendant le communisme de guerre, je le rappelle, explique le ton martial, les métaphores militaires, les rapprochements concrets avec l'armée rouge, création de troupes amateurs envoyées sur le front, formation commune de soldats et d'acteurs pour jouer dans les actions de masse. Ce communisme de guerre mais explique aussi la mauvaise qualité du papier, l'absence d'illustration, la mise en page compacte et l'irrégularité des numéros, des parutions entre février et septembre 1919. À partir du numéro 33, à la mi-septembre 1919, la périodicité et le volume de la revue se stabilisent. Et dès le numéro 68, c'est-à-dire le 21 septembre 1920, avec l'arrivée de Millerol, dont il va être évidemment maintenant question, le militantisme s'affiche à la une. La rédaction apostrophe le lecteur par de gros titres provocateurs. Vivos vocamus, la guerre civile au théâtre, les slogans de l'Octobre des arts. La revue, faisant écho aux actualités, le messager du théâtre devient un organe d'agitation au service de la révolution au théâtre. Avant l'arrivée de Millerol, pendant un an et demi, le commissaire à l'instruction publique, Mounacharski, condamne l'apolitisme en art, mais il se montre tolérant à l'égard de ceux qui ont besoin de temps, comme il dit, pour se convertir. Mounacharski protège le patrimoine, protège les professionnels du théâtre, ce qu'on appelle à l'époque les théâtres-pièces, souhaite ériger des monuments aux grands acteurs d'avant, créer des musées du théâtre aux grandes dames des partisans de la tabula rasa, en gros l'avant-garde, et les militants de la culture prolétarienne. Mounacharski reste prudent à l'égard du futurisme, soutient les genres populaires d'avant, les opérettes, les mélodrames, les vaudevilles, la pantomime, et se montre favorable aux têtes synthétiques, en particulier il pense là au théâtre de Alexandre Taïwan. Mais dès qu'il nomme Meyrol directeur du département théâtral le 16 septembre 1920 à Moscou, cette politique de conciliation vole en éclat. Le messager du théâtre devient un lieu de polémique et d'attaque contre tous ceux qui ne sont pas dans le camp des communistes révolutionnaires. Le ton est donné à la une du 7 septembre 1920. Nous, communistes, avons pour objectif non pas d'expliquer, mais de changer le monde. Le numéro d'octobre 1920 appelle les gens du théâtre à quitter le marasme du théâtre bourgeois pour renaître dans Vivos Vocamus, transformé en propagandiste, car ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Les numéros des 28 septembre et 3 octobre 1920 intitulé « Le théâtre et le communisme », présente la mission du département théâtral. Encadrer, canaliser les intérêts théâtrales dans l'esprit matérialiste et dialectique. La liberté et l'autonomie deviennent tout simplement ridicules, la neutralité est bannie et l'organisation, la discipline sont les nouveaux mots d'ordre. Il faut des appareils, je cite, un programme, une méthode, la coordination. Le département théâtral sera à la tête de toute une armée artistique. Il doit proposer une direction centrale des théâtres avec des relais locaux alignés sur le sol. Le chef de cette armée, Meyrol, est présenté comme un martyr de la Révolution. Il a été, ça c'est assez trouble, prisonnier par les Blancs, et son nom éveille la haine chez les uns, l'amour et l'enthousiasme chez les autres. Meyrol prône au théâtre la discipline militaire qu'il respecte lui-même au quotidien. En 6 mois, Meyrol remanie l'organisation des théâtres, les orientations politico-culturelles, les relations avec les institutions et sa propre activité scénique. Car il réécrit les pièces qu'il transforme en canevas, il organise des spectacles meetings, il fait des expérimentations en atelier, il multiplie les débats publics. Il bouleverse donc les activités théâtrales, favorise la démultiplication des lieux de spectacle afin de sortir du huis clos de la boîte scénique bourgeoise. L'acteur est encouragé à jouer en plein air, dans d'énormes actions de masse, à se déplacer en troupes itinérantes qui sillonnent les villes et les campagnes dans des trains, bateaux ou camions d'agitation. Sur les cendres de l'héritage théâtral de la bourgeoisie, les nouvelles formes naîtront entre les mains de la classe victorieuse qui n'a pas été contaminée par les traditions réalistes et les complaisances, je cite,
de l'introspection psychologique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Mirol profite de leur vue pour faire la publicité du propre spectacle. Les numéros 70 à 81 font la promotion du spectacle, vous voyez ici la maquette, Les Aubes, qui est qualifié de première mise en scène révolutionnaire. Le texte de Verhaeren a été réécrit par Mirol et les auteurs. Il est publié dans la revue pour servir de matériau pour d'autres représentations. Dans les discussions autour du spectacle, Les Aubes, les anciennes compagnies restées prestigieuses, comme le Mali, le Bolchoï, sont durement attaquées. Le Bolchoï se complaît, disent les critiques de cette revue, dans des ballets et des opéras d'un autre âge. Le théâtre de chambre s'enlise dans la mièvrerie et l'esthétisme. Quant au théâtre d'art et ses studios, ils ne sont rien d'autre que des nids de réactionnaires qui contaminent les cercles prolétariens en diffusant le système de civilisation. Lunacharsky intervient pour tempérer ces héros autoproclamés de la révolution au théâtre. La multiplication de spectacles meetings, dit Lunacharsky, lasse le public, les masses sont hermétiques aux recherches formelles. Et Lunacharsky a ce mot, a ces mots assez bizarres aujourd'hui, le prolétariat n'a pas besoin de Picasso. Versé de ce désaveu dont il veut faire une affaire d'État, Mirol le répond par un fracassant « j'accuse » en français, allusion à l'affaire Dreyfus. Il se moque de l'admiration du commissariat à la fonction publique pour les théâtres académiques et revendique l'avènement d'un grand octobre théâtral. Et il conclut son article « j'accuse » à l'attaque, cher camarade. Et en effet, de janvier à mai 1921, le messager du théâtre va être le promoteur de la guerre civile au théâtre. Cette guerre civile au théâtre, elle se traduit par la volonté de dépouiller de leurs privilèges les théâtres académiques. Lors de la nationalisation en août 1919, seuls les bâtiments sont passés entre les mains de l'État. Meyerhold enrage contre ses privilégiés qui disposent de bons équipements, de chauffage, même relatif et intermittent, d'ateliers de costumes, d'accessoires, de décors, et dont les barèmes de salaire prévoient la rémunération des heures supplémentaires, des primes et des suppléments pour les rôles hors emploi. La revue se fait le porte-parole des partisans d'une redistribution après inventaire des accessoires, costumes, décors aux compagnies de province et de banlieue, professionnelles et amateurs. Les vieilles compagnies étant vouées à disparaître, selon Meyerhold, ou à faire figure à la limite de l'idée, l'Octobre théâtral promeut non seulement le nouveau type de théâtre amateur, dit autoactif, et Carmen va nous en parler tout à l'heure, pour de nouveaux types de spectacles, mais aussi de nouveaux modes de jeu. Déclamation collective, dont on a parlé tout à l'heure, dans les chœurs, on appelle ça en russe Stomplatz, la biomécanique, bien sûr, la Tefiskult, la mode est aux acronymes, donc la Tefiskult, c'est la théâtralisation de la culture physique, qui s'utilisait beaucoup à l'armée et au théâtre aussi, qui se répand donc largement. Une culture du corps, basée sur les sciences du mouvement, la réflexologie, la taylorisation des gestes, doit se développer dans tous les lieux d'apprentissage et chasser, bien sûr, la psychologie, les états d'âme, les acteurs reviveurs, allusion au système de CSS. Les slogans de l'Octobre théâtral, affichés à la une du 8 février 1921, prouvent que Meyerhold refuse les concessions et soutient les adversaires des traditions et du passé culturel. Voici donc quelques exemples de bateaux d'agitation et cette est une action de masse qui a été représentée devant le palais d'hiver. Et voilà les slogans de l'Octobre théâtre. Alors, les historiens du théâtre se sont focalisés sur les coups d'éclat de Meyerhold, chef de l'Octobre théâtral. Ils ont cité à l'envi quelques-uns de ses excès. Par exemple, Meyerhold voulait numéroter les théâtres comme des bataillons. Son théâtre s'appelait le théâtre RSFSR 1, il aurait eu le 2, le 3, le 4, etc. Remplacement des billets de théâtre par des jetons. Tout ça pour souligner l'inadaptation de Meyerhold aux fonctions administratives, ce qui est effectivement juste, mais sans donner le contexte de ces mesures. Que nous apprend le messager du théâtre sur la situation du théâtre, justement, dans ces années difficiles, si l'on ne savait pas à l'intransigeance des mots d'ordre souvent affiché à l'aide. La situation économique pèse lourdement sur la vie artistique. Les capacités de travail des artistes diminuent en raison de la mauvaise nourriture, et non seulement les mauvaises, mais en très faible quantité, et les
formation, comme en reçoivent les ouvriers et les soldats. Les acteurs épuisés ne viennent souvent que pour recevoir leur maigre paye, accomplissent très mal leur travail, et dès qu'ils le peuvent, ils partent à la campagne pour se ravitailler. Voilà, c'est là. Devenus des portefaix, ils attrapent en chemin des maladies infectieuses qu'ils répandent dans les villes. La rééducation politique ne suffira pas à relever la productivité des termes de l'industrie, gagne de l'art. Il faudra revoir les barèmes de rémunération, encourager le travail par des récompenses en nature, et en cas de manquement à la discipline, ça c'est effectivement une concession qui a dû être faite, organiser des tribunaux de camarades pour sanctionner ceux qui ne viennent pas ou qui travaillent mal. À partir de la fin octobre 1920, le théâtre est mobilisé pour réquisitionner la production agricole lors de campagnes d'agitation. Et donc le département théâtral envoie une armée, je cite, d'acteurs au cœur de la paysannerie. Alors cet échange entre les produits des campagnes et les produits des villes, en gros le blé contre les allumettes, le pétrole, le savon et le sucre, ça permet aussi de rencontrer les masses paysannes et de former des troupes amateurs à la campagne. L'hiver 1919-1920, très rigoureux, pose la question du ravitaillement en combustible et de l'alimentation d'électricité. Certains théâtres de Moscou et de Petrograd, y compris de Bolchoï, pas rien, ferment pendant les jours les plus froids. Une majorité de théâtres se passent à chauffage. Pour dépenser moins, les grosses compagnies se disséminent en petites structures, les studios. Ces mini-compagnies, pas les théâtres, s'ajoutent aux innombrables ateliers et cirques amateurs qui pullulent. Les professionnels se font là des à côté, à titre de pédagogues ou d'acteurs, et du coup ternissent leur réputation par la pratique du bousillage en russe très tôt. On trouve ce mot dans tous les revues à l'époque. Le bousillage. Les improvisations par manque de temps pour apprendre les rôles, les trous de mémoire, les maladresses faute de technique et de direction par un metteur en scène qualifié, le recours à des clichés et à des fonds sonores, souvent à l'international, la baisse de discipline, notamment en raison de l'arrivée de nouvelles recrues, peu au courant des usages, tout cela nuit évidemment à la qualité des représentations. Quant aux fameux jetons que Meyerhold veut imposer à la place des billets, ils sont révélateurs d'un grave échec lors de ces premières années de lancement de l'Octobre théâtral. Le nouveau public, entre guillemets populaire, n'apprécie pas du tout les innovations de l'avant-garde qui leur sont, et les ouvriers revendent au marché noir, aux bourgeois intellectuels, les billets gratuits qui leur sont distribués par la syndicale. Cette mesure de distribution de jetons nominatifs vérifié en amont et différent selon les théâtres, aurait eu le double avantage de mettre fin à ce trafic et d'économiser du papier. Si le projet échoua, donc ce n'est pas en raison, comme on l'a souvent dit, de son absurdité, mais parce qu'il était très difficile à mettre en place. Outre ces difficultés matérielles ouvertement déplorées et qui transparaissent en toile de fond de tous les articles, le messager du théâtre révèle, en cette période de chaos, le modèle de l'armée, de son organisation, de sa discipline, fascine Meyerhold, qui participe à des projets d'action de masse au Cérobourg, c'est-à-dire l'organe général de formation militaire, et qui travaille en collaboration avec le directeur, le commissaire à la guerre, un des organisations de l'insurrection d'octobre, on ne sait pas n'importe qui, hein, Nikolaï Podgorski. Et ça, c'est un épisode que les historiens du théâtre ont tendance à oublier. Meyerhold voue une grande admiration à Trotsky, fondateur de l'armée rouge, auquel il dédie en 1923 le spectacle La Terre cabrée. Il aime arborer l'uniforme et se comporte en chef autoritaire. La direction de son théâtre est d'ailleurs comparée à un état-major. Meyerhold, il le dit dans plusieurs articles de Pièce du théâtre, considérait que l'acteur-soldat était à l'avant-garde car dans les clubs et les cercles de l'armée rouge, sans l'aide de professionnels, et ça il insiste beaucoup, sans l'aide de professionnels, donc des gens d'avant, l'acteur soldat avait abandonné la boîte scénique, abattu la rampe, réécrit les auteurs, fraternisé avec le groupe. Donc je vais passer sur ce document-là. Oui, c'est bon. Mancharski m'a plusieurs reprises tiré le signal d'alarme pour faire cesser ces mesures arbitraires. Mancharski rappelle que l'agitation n'est pas de l'art. L'agitation est évidemment utile idéologiquement, mais elle ne fait rien avancer sur le plan artistique.
proto-activité, donc le théâtre amateur si vous voulez, repose sur l'instinct créateur des prolétaires, trop souvent maintenu pour les cas de l'art théâtral. Mais cette auto-activité ne peut en aucun cas rivaliser avec le professionnalisme des anciens théâtres, porteurs de traditions séculaires. Et Lunacharsky, après avoir été violemment apostrophé par Minerold, finira par écarter le trublion pour que cessent les décisions qui divisent au lieu de rassembler. La guerre civile au théâtre se calme dès que Meyrol quitte la direction du département théâtral en février 1921. Les attaques contre les artistes ou contre des théâtres particuliers se raréfient. Et de plus en plus, des critiques se font entendre contre l'octobre théâtral, qui n'aurait généré que bureaucratie, clientélisme, commérage, calomnie, méfiance, haine. Les masses n'auraient ni accepté ni compris ces directives présentées désormais comme le désir personnel de Meyrold de détruire les valeurs culturelles du vieux théâtre. Cette volonté d'en découdre avec le passé et de tout reconstruire en fonction d'un programme radical, n'est-ce pas, se demande-t-on alors, la mise en scène fantastique d'un seul artiste génial qui a troublé et forcé à halluciner toute la Russie. Mais si Meyrold est resté dans l'histoire comme le chef de file de la révolution au théâtre, c'est parce qu'il a su dépasser les apories que ces trois années de lutte ont fait apparaître. Le message du théâtre a exposé la difficile conciliation des extrêmes, utilisation des acquis du passé ou création ex nihilo, formation d'acteurs inventeurs ou embrigadement de collectifs disciplinés sur le modèle ouvrier ou militaire. Fabrication d'une culture de classe ou immersion dans un art théâtral sans frontières. Avec la mise en scène du Cocu Magnifique, créé en avril 1922, donc un peu moins d'un an avant la disparition de la revue, Meyrold apparaît comme le seul réalisateur des quatre slogans de l'octobre théâtral publiés à la une de février 1921. Lui seul, finalement, donnera a posteriori une réalité à une révolution théâtrale à laquelle, lorsque le journal s'arrête, la plupart de ses collègues ne croient plus. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Marie-Christine, pour cet exposé qui nous rappelle le dessous des cartes, comme on dit maintenant, de cette phase très, très troublée, post-révolutionnaire. Et où c'était très intéressant de voir à quel point le modèle de l'armée va être un modèle fascinant. Il faudrait rappeler que Meyrold, quelques années plus tard, sera fusillé. C'est assez intéressant de revenir là-dessus. Et Lunacharsky avertit que l'amateurisme et l'agitation ne fait pas avancer la dimension esthétique du théâtre, et bien maintenant, avec Carmen Caruto, on va toucher au théâtre d'agitation qui montre que finalement cette agitation est aussi un vecteur de création esthétique tout à fait remarquable. Carmen Caruto est une doctorante de l'Université Paris 3. Je la connais assez bien parce que c'est moi qui dirige sa thèse. Et donc, elle fait une thèse sur les revues de la blouse bleue, donc les revues d'agitprop russes, mais aussi les revues d'agitprop américaines qui suivent cela quelques années un peu plus tard. Et là, le titre de la communication exactement, c'est « Les revues d'un théâtre d'agitprop, circulation et déploiement d'un projet de théâtre journalistique ». Un peu trop.
20 minutes, alors j'espère que ce ne sera pas trop obscur. Je vais faire juste une très rapide contextualisation. Donc, quand je parle de revue de théâtre de jeunes propres, je parle d'un phénomène international des années 20 à 30, un mouvement de propagande communiste dans lequel les organisations centrales liées au Parti communiste, comme la Fédération du théâtre de France, le World Stage League, USA, éditent des périodiques qui sont destinées à l'utilisation par les troupes de théâtre communiste. Dans la liste de aussi, de l'Espagnol, nosotros, il y a d'abord des familles dont je ne connais pas bien l'histoire, mais nosotros communique avec la revue américaine, le Workers Theatre, avec un petit geste diplomatique d'échanger les numéros de revue. Donc, voilà. Donc, les lecteurs et les abonnés de ces revues sont des collectifs de théâtre amateur, théâtre ouvrier. Et l'objectif principal de ces publications est de leur fournir des textes à jouer. Je vais aborder ici deux titres qui sont la blouse bleue. Ce sont des titres que je considère comme le premier modèle du type de théâtre dont on a parlé. Et Workers Theatre, la revue américaine. Alors, ces revues ont des similarités, contiennent toutes les deux des pièces courtes. Si vous avez la revue, c'est Chichén en Europe, donc une revue de politique internationale, des articles sur le théâtre. À l'attention des amateurs qui ont eu l'idée, donc qui peuvent être sur la mise en scène, l'écriture pour la blouse bleue, ce qu'ils appellent le lead montage, donc le montage à partir de différentes sources, sur le costume, sur le jeu d'acteur, et des manifestes artistiques, évidemment, idéologiques sur ce que c'est le théâtre prolétarien et l'énergie propre. Ces deux revues ont aussi des rubriques de communication, de mise en réseau, de guerre avec les organisations centrales, mais aussi des troupes entre elles. Et ces rubriques sont aussi des espaces de représentation pour les troupes amateurs abonnées. Donc ici, vous avez Groups in Action, de Workers Theatre, et la chronique de la blouse bleue, ainsi que son courrier des lecteurs. Juste un mini portrait de la blouse bleue. La structure, c'est une organisation soviétique qui est active de 1924 à 1929, qui édite une revue bimensuelle du même nom, en Russie, la blouse. Et la revue est éditée par la maison d'édition de l'Union des syndicats de Moscou, qui est l'organisme de tutelle de la blouse bleue, mais n'intervient pas vraiment dans le contenu de la revue. La rédaction de Signer Rose est composée de personnalités ayant des bagages assez variés, école de journalisme, cabaret, revue satirique, studio de théâtre. Excentrique du début des années 20, comme la FEX, la revue de la Terre excentrique, ou le studio du chorégraphe Nicolas Breguet. Et le rédacteur en chef, principal moteur de l'idéologie artistique de la blouse bleue, s'appelle Maurice Janou, et il fonde le projet alors qu'il est encore étudiant à l'Institut de journalisme. Et le projet, c'est de faire du journal vivant. Le journal vivant, c'est une forme de stratégie propre exploité pendant la guerre civile russe et qui consiste tout simplement à faire un journal oral, un journal théâtralisé, à transmettre l'actualité de cette guerre. Alors là, pour la blouse bleue, on n'est pas dans la guerre, plus vraiment dans le vif de la guerre, et le travail de signer la blouse de la blouse bleue sera de se développer de l'arrivée en tant que forme esthétique qui pourrait représenter quelque chose comme un nouveau théâtre soviétique. Et un peu documentaire. Et juste pour compléter ce mini-portrait, les textes diffusés sont des sketchs sur la
aspects de la culture soviétique comme dans la propagande religieuse pour les questions de genre. Je reviendrai sur le répertoire dans un instant. Visuellement, les images qu'on voit sont des montages en général avec les photographies et les enseignes du collectif artistique Travail à Moscou et de la revue et qui se nomme le collectif central. Donc, c'est le collectif fait la revue, donc il est au centre, ce qui est au centre. Et ces photos transmettent aux programmateurs une idée, même par position figée, de l'esthétique blues-bluiste. Et les images ne font jamais référence au monde extérieur ou à d'autres théâtres. On n'illustre que avec des visuels qui représentent la blouse bleue. Ça doit être l'action des contre-révolutionnaires qui agissent en ce moment. C'est du sabotage petit bourgeois. Je me réveillais ce matin. Non, mais l'église, surtout en Italie, est puissante. Donc, que ce soit le collectif central professionnel, le collectif affilié amateur ou la revue, qui était représenté aussi visuellement dans l'image qui a disparu. Donc les trois composantes du mouvement. Une grande partie des enseignes dont on voit des photos sont de Sally Yukievich ou de Tamara Tomis, qui est une des enseignes qui est tout à fait inconnue. Elle travaille presque toujours avec un costumier qui s'appelle Nina Eisenberg. Et je tiens juste à mentionner l'importance de la contribution de Tomis Eisenberg dans l'identité visuelle du cinéma blues et en conséquence dans tout le mouvement de la blues bleue, puisqu'on étudie les petites revues et dans l'histoire du théâtre, c'est la possibilité d'être en contact avec des espaces qui ont parfois été accessibles pour des créatrices pour laisser des traces de leur travail, de et ce sont des revues qui contiennent des traces de son travail intellectuel. J'en profite pour donner le nom d'une autre artiste oubliée qui contribue à l'identité visuelle, Anastasia Kurko, qui était une élève et assistante d'Alexandre Rodchenko et qui a été accusée de formalisme et mise à l'écart du milieu artistique assez vite après la fin de la blues. Fin du moment islamo-gauchiste. Pour expliquer pourquoi je parle de théâtre journalistique, outre le fait qu'on fait du journal vivant, je vais parler un peu à la première personne, mais c'est pas très sérieux, mais j'ai longtemps lu La blouse bleue dans des collections numérisées. Et lorsque j'ai enfin pu avoir accès à des copies physiques, tenir la revue dans la main, c'était comme sortir la tête de sous l'eau. Vraiment, le passage de l'écran à l'objet, ça m'a propulsé en arrière et donné de la distance pour voir des choses que je n'avais pas du tout comprises quand j'étais absorbée dans les mots et les textes de l'écran. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on travaille sur des versions numérisées dans toute leur lourdeur noire et blanche qui appelle à se perdre justement dans les textes, dans le sens des mots. En tout cas pour moi, Signe à Blouse n'est ni lourde, ni massive, ni épuisante. Elle est légère, petite et de toutes les couleurs. Et, c'est une revue qu'on peut. Bon, évidemment, je n'ai pas fait ça dans les archives, mais qu'on peut plier, rouler, mettre dans la poche. Et d'un coup, en voyant ça, j'ai pu voir d'autres détails, comme le fait que les textes des sketchs, des textes qui sont dessinés à la scène, sont présentés toujours de manière très claire, avec de la place en marge si on veut prendre des notes, que toutes les partitions sont placées à la fin. Donc, si le musicien ou la musicienne utilise la revue, il n'a pas à tourner les pages de texte entre deux scènes. Il n'y a aucune page inutile dans ce qui constitue le répertoire. Textes théoriques ne sont pas parcellés entre les scènes dramatiques, mais regroupés également au début. Donc, ma petite hypothèse est la suivante. Signe à Blouse est un outil de travail pour les répétitions, pour la création,
n'ont pas une revue qu'on lit seul dans un coin du club ouvrier, que moi je faisais seul en bibliothèque, mais un outil de création collective qui est présent au moment de monter le journal vivant. Et si jamais c'est le cas, dans ce cas, c'est une utilisation du périodique qui à la fois confirme son rôle central dans ce modèle de création de théâtre journalistique et à la fois diminue son importance puisque ce n'est que l'outil, l'intermédiaire pour créer le réel média qui est le spectacle de Journal du Coin. Donc la revue de la blouse bleue ne serait pas considérée comme une fin en soi en quelque sorte, parce que c'est ce qui se passe sur scène qui est le vrai journal. Et on peut voir qu'en observant les répertoires diffusés, une partie des rôles sont laissés à l'improvisation. Certains textes sont indiqués comme canevas à modifier en fonction des événements récents, ce qui implique que le réel geste journalistique du journal vivant, donc qui actualise le matériel, c'est bien le geste théâtral qui est fait par les lecteurs de la revue. Et c'est implicite et présent également au niveau d'une certaine convention lexicale et dramaturgique sur la blouse bleue. Là, pour le coup, je suis dans le texte. Dramaturgique, parce qu'il est explicitement dit à plusieurs reprises que le spectacle monté à partir de la revue doit être construit sur le modèle d'un journal imprimé. Chaque scène doit correspondre à une rubrique prédéfinie. Et on peut même mixer le matériel de plusieurs revues tant que les textes utilisés à leur place attitrée dans le rubrique, comme l'illustre ce tableau qui indique les différentes rubriques. Le titre, l'éditorial, le feuilleton, etc. Et les exemples de sketchs qu'on peut placer à cet endroit-là. Et ce tableau a été fait à l'issue des rapports des correspondants au bureau de la blouse bleue qui ont signalé la mauvaise utilisation de la revue. Donc que les troupes amateurs montaient surtout des textes comiques, pas des textes sérieux. Et donc la rédaction réagit à cette mauvaise utilisation de la revue en inventant un protocole d'utilisation. Deuxièmement, je parlais d'une convention lexicale. Les textes destinés à la scène sont en général désignés dans la revue avec des termes appartenant au registre de l'écriture dramatique ou faisant plus clairement référence à la forme littéraire quand on parle du texte sur papier. Des scénettes, des dialogues, des sketchs, des vaudevilles, des couplets, des monologues, des compositions. Le découpage de texte est indiqué dans la revue avec les termes scène, stiena ou tableau, cartina. Néanmoins, lorsque dans les articles théoriques on parle de mise en scène et de spectacle, c'est le terme article, statia, qui est mobilisé. Par exemple, la metteuse en scène Tamara Tomis écrit, je suis désolée, elle a un style très compliqué. Et moi, en tant que metteuse en scène, je ne me gêne pas de déplacer de manière improbable le point culminant de l'article à un moment différent de celui où, d'après les indications de l'auteur, les spectateurs seraient censés rire ou pleurer. Donc elle explique, c'est plus long, mais la citation est vraiment trop compliquée, elle explique qu'elle change le point culminant de l'article avec des éléments chorégraphique. Donc elle parle bien de mise en scène. Et l'article, c'est ce qui se passe sur scène. Et il s'agit d'un usage lexical qui est juste tranquillement répandu dans le périodique, sans qu'il soit déclaré vraiment. Tout comme le spectacle en général s'appelle le journal vivant, un spectacle individuel s'appelle un numéro, l'interprète est un journaliste vivant, l'ordre des scènes est le plan journalistique, et le meneur de show, le présentateur, est un rédacteur en chef. Donc c'est des conventions lexicales qui peuvent être considérées comme vraiment représentatives des liens entre texte et représentation pour la blouse bleue, de manière plus matérielle, entre papier et performance. Dans ce modèle de la blouse bleue qui se base sur l'existence du couple périodique et spectacle. Donc parfois le théâtre journalistique, ça ne marche pas. Parce que le journal vivant, au départ, ça veut comme un théâtre qui est sauvage et organique et qui réagit immédiatement. Et l'étape éditoriale, au contraire, peut alourdir et ralentir le processus. Et il est difficile pour les auteurs de vraiment tenir la promesse d'un répertoire qui est toujours d'actualité. Mais justement, comme c'est une revue, ils peuvent
en constamment redéfinir ce que c'est pour eux l'actualité. Et ils réagissent leur position théorique en réaction aux lacunes du modèle qu'ils ont créé et aux réactions des lecteurs. Ils mettent à jour leur conception d'actualité vraiment dans la durée, dans un rapport constant au théâtre qui est fait sur le terrain. Est-ce qu'on trouve un problème similaire dans les autres œuvres de théâtre d'agir propre? Première réponse, pas exactement, puisque je pense qu'une grande part de ce qui fait l'identité de la blouse bleue tient aux individus qui la composent, et aux jardins, aux auteurs, et c'est les liens à la fois symboliques et humains avec le franc gauche de l'art, le Lef, le théoricien factographique, plus ou aussi pris, Sergei Tretiakov, qui interviennent dans la revue et qui soutiennent la blouse bleue depuis le début. Et d'autre part, si je prends par exemple Webber's Theatre, qui a une vie relativement longue, contre d'Ajout Prop, qui est donc assez intéressante à étudier, elle existe à un moment où l'Union internationale des théâtres révolutionnaires, donc la section théâtrale du Comintern, appelle à abandonner les références ouvrières, se tourner vers le professionnel et donc pour eux changer de lectorat. Et les troupes amateurs, qui sont le relais théâtral du journal, qui sont le relais vivant de la création de médias théâtrales, vont être lentement repoussés aux marges du mouvement. Et ça se voit même visuellement dans Webber's Theatre, le courrier des lecteurs devient tout le temps de plus en plus étroit. À la fin, c'est juste quelques petites lettres au milieu des annonces et des publicités. Deuxième réponse. Or, on a quand même le temps de voir se mettre en place un fonctionnement similaire. Et Webber's Theatre, justement, se revendique de l'héritage de la blouse bleue. Webber's Theatre, c'est une petite revue qui est un peu mal aimée, un peu négligée par les historiens du théâtre américain. C'est une petite, un petit bulletin militant, maladroit et peu conservé. Elle a été fondée en 1931 avec un budget de 11 dollars par deux groupes du théâtre d'Agincourt New-Yorkais. Le Workers Laboratory Theatre, qui est un vrai troupe d'Agincourt avec des ouvriers et tout, et le Prolet Buchner, qui est une troupe d'Agincourt germanophone. Le numéro de mai 1932, qui marque la fin de la première version de Webber's Theatre, la version bibliographique, et j'attire juste votre attention sur la manière dont ce changement est annoncé. This first printed number marks the climax of forces that have been busy laying the groundwork throughout the United States for a proletarian theater. Donc, même si cette phrase n'est probablement qu'une pirouette de langue de bois communiste, en fait, le théâtre et la revue sont complètement imbriqués dans une même activité, dans une même identité. Ce sont les forces qui ont fait prospérer le théâtre prolétarien qui nous ont permis d'avoir aujourd'hui cette revue imprimée de meilleure qualité. Donc, la revue fait partie de l'activité de théâtre prolétarien. Et donc, l'objectif de Workers' Theatre pendant ces premières années est d'organiser les campagnes de propagande communiste en unifiant les répertoires, de diffuser largement les meilleures pièces repérées dans le théâtre ouvrier new-yorkais, en les traduisant en anglais, puisqu'ils sont souvent en allemand, en yiddish, en ukrainien, en finnois, et en les publiant donc, dans la revue. Et les fonctionnaires premières revendiquées sont de consolider un mouvement de théâtre ouvrier anglophone et répondre à ce que le rédacteur en chef, John Bonn, appelle la famine de répertoire. Et le théâtre ouvrier américain a besoin aussi de création, de diffusion rapide et constante de répertoire sur le théâtre d'actualité. Il faut se saisir de la lutte des classes au moment où les événements ont lieu. Comme ils disent dans leur manifeste, events of class struggle follow each other at present at a fast and furious pace. Our theater must catch each as it comes and stand ready and confident for the next. If something important is missed, something important is lost. Donc, c'est ce qu'ils font, ils essayent de
réagir le plus vite possible à l'actualité. Ça, c'est une page de l'idée sur les grèves des mineurs Kentucky, Miners on Strike, de mars 1932. Enfin, je trouve que j'aime bien parce qu'on voit qu'il a été un peu utilisé. En plus de s'inspirer de l'actualité, comme le fait aussi la Fiche Bleue, le Théâtre des Jeunes Groupes Américains s'organise au type de campagne. Par exemple, pendant l'affaire Scottsboro, lorsque neuf garçons afro-américains avaient été injustement accusés d'agression sexuelle et condamnés à mort dans l'Alabama, et que le Parti communiste américain s'était mobilisé pour faire sa cause et pour le payer un avocat aussi, à ce moment-là, Workers Theatre diffuse une série de petites pièces avec le mot d'ordre Workers Theatre, put the case on stage and smash the Scottsboro frame. C'est le numéro 2 de GM 131 qui est consacré à l'affaire. Et ici, une pièce qui s'appelle Lynch Law, aussi sur l'affaire. Septembre 1933, Workers Theatre devient New Theatre, qui est une revue qui s'intéresse plutôt d'être professionnel à la critique. Et c'est une New Theatre ne publiera plus beaucoup de pièces, va inclure un répertoire de pièces considérées comme de gauche que le lecteur peut commander. Et c'est des pièces à ce moment-là qui sont trop longues pour que le format revue soit adapté pour la diffusion. C'est des choix aussi sur ce que doit être la nouvelle dramaturgie de gauche américaine. Mais quelque chose qui parle de l'importance de la revue justement dans la diffusion des répertoires et la demande pour ces répertoires est le fait que le numéro de février 1935 de New Theatre est d'après la New Theatre League, l'organisation, est le plus vendu et celui qui leur a valu le plus de nouveaux abonnements. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce numéro? Il y a Waiting for Lefty de Clifford Odets, donc la pièce qui a été jouée par le Crook Theatre dans la mise en scène de Cloyman en janvier 1935, celui du Crematory Theatre, avec un énorme succès et va être énormément reprise par les troupes amateurs. C'est un moment. Voilà. Et pour conclure sur cette comparaison, le Théâtre des Groupes Américains est un mouvement théâtral qui est comme le modèle de la blouse bleue. N'ayant pas de lieu théâtraux vraiment pour se produire, c'est un théâtre de rue et de club, inscrit son existence plutôt dans des rites, mais dans des campagnes, plutôt dans le temps que l'espace, et s'appuie pour se faire sur une revue. Et deuxièmement, c'est un théâtre qui se met à un mouvement politique qui trouve de la force dans l'unité des sujets portés à la scène et la simultanéité de ses productions. Et voilà, donc pour conclure, ces petites revues permettent d'éclairer l'histoire du théâtre du propre du théâtre ouvrier, je pense, au-delà des manifestes politiques et artistiques qu'elles contiennent, parce qu'elles mettent en lumière aussi le processus de création de cette idéologie par rapport à ce qui se fait sur le terrain, et mettent en lumière des structures, des réseaux, des patterns, des manières de vrai. Et donc on peut dire peut-être qu'il y a une utopie du théâtre journalistique qui est développée dans les rues du théâtre d'Agile Prof, et bien qu'il ne soit pas réalisé au degré où elle est rêvée, dépasse une idée, une pensée seulement esthétique ou seulement dramaturgique, puisqu'elle prend la forme d'un modèle de fonctionnement dans lequel les lecteurs tiennent un rôle actif dans la création du produit fini, c'est-à-dire le spectacle, et au centre duquel se trouve la revue, qui est à la fois outil de création et d'organisation, espace virtuel de rencontre, et en tant que réservoir à texte, aussi bibliothèque et patrimoine collectif prolétarien. Le rêve du Cato Coppo a été exaucé par des affreux communistes et américains. Bon, merci beaucoup, Carmen. On passe de l'autre bord idéologique, puisque donc Raffaella Di Crizio va parler des raisons italiennes et allemandes. Et je rappelle que Raffaella Di Crizio est chargée de recherche. Non, en fait, c'est le conseil italien. Raffaella Di Crizio è assistente di ricerca presso l'Istituto Italiano di Studi Germanici diretto da Marco Castellani. E
ha lavorato alla Theaterwissenschaft della Freie Universität di Berlino, all'Università dell'Aquila, e ha pubblicato molte cose, ma vado in fretta perché guadagniamo tempo. E il suo intervento ha come titolo esatto, se riesco a ritrovarlo, La scena pensata dalle dittature, la cultura teatrale di scenario e di bühne. Grazie, grazie della presentazione e di questa proposta. Mi devo scusare perché contavo ieri sera dittature in francese, però il mio computer non ha collaborato, quindi mi auguro che si possa seguire comunque, c'è giusto qualche passaggio. Scenario e di bühne. Due riviste che vivono dagli anni 30, più o meno la seconda guerra mondiale, e una rivista italiana e una rivista tedesca. Perché le metto insieme? Quando ero alla Freie Universität per un progetto di ricerca sui rapporti tra teatro italiano e tedesco, tempi delle dittature, cercavo nelle riviste tedesche informazioni sugli scambi teatrali tra Italia e Germania, diretti e indiretti. Cercando nel 41 mi aveva molto colpito questa frase, fondamentalmente la parte che mi sono rosso, che nominava Scenario, una rivista molto studiata in Italia, ma la nominava come giornale della Direzione Generale del Teatro, dando per certo che questa fosse la sua funzione. Ora, Scenario è una rivista molto studiata, soprattutto perché è la rivista che è stata centrale per il progetto culturale di Silvio D'Amico. D'Amico, che è stato un critico fondamentale dell'anno del fascismo, comunque si occupa di quegli anni, non vado a incontrarlo, il fondatore dell'Accademia d'Arte Drammatica, quindi molto noto in Italia. E la rivista di questi primi anni viene studiata come espressione del suo progetto, ma nel testo che vi ho citato c'era questa definizione pura e semplice, organo della Direzione Generale del Teatro. Allora la domanda da cui sono partita e che mette il filo tra queste due riviste è se in qualche modo fosse stato un cambiamento della rivista che da molti segnalato nel 36-37, un cambiamento legato non soltanto a condizioni interne italiane, ma anche a qualcosa che cambia sul piano internazionale, quindi il rapporto tra Italia e Germania. E in particolare mi chiedevo se la rivista italiana avesse cominciato a imitare quella tedesca. Mi torno rapidamente nei momenti, tre anni fondamentali dei passaggi politici, e dalla Germania, discussione del 36, a Se non a Berlino, il 23 novembre del 38, che è il momento più forte dell'accordo culturale tra Italia e Reich, quando davvero si comincia a seguire in qualche modo anche in Italia il principio della Gleichschaltung, di unire le proposte culturali all'ideologia dominante, e il 39 il patto d'acciaio, quando ci avviciniamo alla seconda guerra mondiale. Partiamo dal scenario, è la rivista che nasce prima, nasce come rivista mensile delle arti della scena e vivrà dal 32 al 43. Fondatore e direttore Silvio D'Amico, Nicola De Pirro. Nicola De Pirro è un fascista della prima ora, ha già un ruolo molto importante in questi anni perché è direttore generale dell'Associazione Industriale dello Spettacolo. La rivista ufficialmente ha un editore importante per la cultura italiana, il resto è Cani Cuminelli. Nasce come rivista culturale, nasce come una rivista destinata a un pubblico ridotto, la teatura iniziale 2000 copie, questo lo racconterà D'Amico molti anni dopo a Paolo Grassi, dicendo che costava troppo Scenario, sempre per 30 corrispondono a 7 lire del costo iniziale. Era una rivista di 70 pagine di carta di buona qualità e ricchissima di immagini e di collaboratori. Avrà dei passaggi di cambiamento interno, che vi ho segnato qui, si fonderà con Commedia nel 35, quindi avrà meno pagine di articoli, ma una lunga commedia pubblicata nelle ultime pagine. 35 è l'anno in cui De Pirro passa di grado nel fascismo, diventa il capo della Direzione Generale dello Spettacolo, e D'Amico, a sua volta, diventa direttore dell'Accademia d'Arte Drammatica. Nel 1936 De Pirro diventa ispettore generale per il teatro, il ruolo centrale e massimo per la gestione del teatro italiana,
D'Amico abbandona la rivista a questo punto e passa a fondare un altro giornale, che è la rivista italiana in programma. Questa è la prima, è il primo indice di scenario. Avete visto che la copertina è molto semplice nella prima immagine. La vediamo adesso nel dettaglio, qui vediamo anche che c'è una prima presenza di pubblicità che vedremo tra un attimo, è molto numerosa in scenario. Sembra che la rivista abbia il massimo dei finanziamenti da vari enti. Più avanti sarà molto presente il cinema. Qui abbiamo la radio e varie ditte che vendono prodotti che evidentemente sono destinati a una classe medio-alta, prodotti piuttosto costosi. Dal primo indice possiamo già vedere che ci sono moltissimi collaboratori e abbiamo la struttura della rivista che è fatta per diversi articoli, contiene dei corsivi di argomento generale, articoli sul teatro, una zona dedicata alle cronache della scena italiana che in realtà è molto vasta, maggior parte sul dramma e in minor parte cinema e ancora meno musica, in questa prima fase, quindi le proporzioni cambieranno. Corrieri dall'estero, che saranno numerosissimi in tutte le prime annate, da più vari paesi, recensioni di libri, recensioni di articoli importanti su periodici e notiziari degli atti della scena. Quindi un'ampia messa di contenuti che sono davvero una ricerca di aggiornamento del panorama teatrale italiano, scoprendo tutto quello che fa il teatro all'estero e cercando di portare avanti un'idea di teatro nuovo. Non c'è nel primo numero una dichiarazione programmatica, c'è un esergo di Jacques Popot che dice che è esistito un teatro del Vieux Colombier, ma è esistito anche un pubblico del Vieux Colombier. E Mirella Schino, che ha studiato il scenario per questi primi anni, dice probabilmente questo può essere una buona spiegazione del programma del scenario, dove scrivono molti artisti, ma si vuole cambiare un po' il modo di vedere il teatro del pubblico e di che il teatro lo fa in Italia. Piccolo, molto piccolo, c'è un assegnato, un allegato, che sono gli atti ufficiali della Federazione Nazionale Fascista dell'Industria dello Spettacolo. E questo allegato quasi mai è conservato nelle biblioteche. Tende a sparire, pochissimi numeri lo riportano, ma in realtà è sempre indicato nell'indice. E questo allegato riguarda contratti, programmi, leggi dello Stato fascista che per quanto riguarda il teatro, ma è un po' insordina, carta più leggera, messa in fondo. Ora, una breve panoramica delle pubblicità, per farsi un'idea, sono davvero tante, sono prodotti per donne e per uomini, prodotti costosi, di bellezza, per capelli, ogni tanto anche qualche pubblicità che riguarda il teatro. Dal primo numero presente la radio, anche qui è molto effime radio, molto costose da avere in casa, e c'è questo primo articolo da Radio Teatro di Massimo Contempelli, anche questo è interessante perché si dichiara nelle prime righe che è un articolo comandato. Dichiara Contempelli, un po' scherzando, forse no, che senza questo articolo sulla radio la rivista non avrebbe avuto il permesso di uscire, potenziamo parlare di radio. E la radio è il tema, uno dei temi che resterà sempre presente fino alle ultimissime annate, acquisendo sempre più spazio, una routine destinata alla radio, che poi guarderà anche il confronto quante radio ci sono in Germania, quante in Italia, quanto è importante che in ogni casa italiana ci sia una radio, arrivi una radio, la voce. Ci saranno pubblicità più avanti, forse la vedremo, in cui c'è questa ditta radiofonica che si chiama La Voce del Pallone, che fa un perfetto, fa molto rendere conto di quale sia il peso. La rivista si assisterà con questa forma nella prima pagina molto presto, quindi promette articoli di dramma, musica, cinema, danza, radio, circo, scenografia, scenotecnica. Vedete anche soltanto dal numero quanti sono i collaboratori, sono registi, sono intellettuali, non ci sono attori, nella tipica della visione del teatro damigliana, e promette certi colori, illustrazioni, insomma promette una rivista di interesse e molto ben vendibile, anche se abbiamo visto che la circolazione è limitata a non moltissime copie. Torneremo a scenario nella seconda parte, ma passiamo a vedere quest'altro giornale che invece nasce nel 35, che è Di Bune. Di Bune è un giornale che nasce per progettare dal titolo, per progettare il teatro tedesco, ed è una rivista che ha la comunicazione ufficiale della Camera del Teatro del Reich. Nasce nel 35, appena nel 34 è stata creata quella che è un po' la corporazione teatrale tedesca e la rivista verrà data gratuitamente a tutti i membri della corporazione, quindi è un organo che informa su tutto
tutto quanto la corporazione vuole comunicare ai suoi membri. Ha una prima parte che vedremo è fatta di articoli di diverso genere, ma la seconda, anche questa abbastanza corposa, riporterà tutte le comunicazioni necessarie per gestire la vita teatrale. Il fondatore e direttore responsabile è Hans Knudsen, che è allievo di Max Ehrmann, quindi fondatore della Theaterwissenschaft in Germania, critico importante e da 33 aveva giurato fedeltà a Hitler, e da degli scrittori che avevano giurato fedeltà al regime, ed è direttore fondatore. Di solito saranno sempre a Berlino, uscirà due volte al mese, e la rivista più economica, circa 40 euro, e viene anche venduta, verrà detto nel secondo numero, che si rivolge anche a tutti gli appassionati del teatro, non soltanto agli operatori teatrali. E, abbiamo questo primo numero di 21.000 copie, quindi è una rivista che ha una circolazione maggiore. Il primo numero in realtà è molto strano, non fa testo, perché appena prima dell'uscita c'è un avviso che, della redazione che informa che appena prima dell'uscita è morto Otto Laubinger, che era il a capo della Camera del Teatro del Reich. Quindi tutto il primo numero viene dedicato alla commemorazione di Laubinger. Questa è una caratteristica che di cui ne manterrà. Ci saranno lunghi numeri dedicati a commemorazioni e a compleanni, il compleanno di Goebbels, il compleanno di Hitler, ci saranno questi numeri molto, molto orientati. E, a tutti gli effetti, quindi il vero primo numero sarà il secondo numero della rivista, che è quello che annuncia per la prima volta lo scopo della rivista, perché è stata creata. In questo secondo numero si apre appunto con un programma di Goebbels molto duro che racconta che tanto il teatro tedesco, il vecchio teatro tedesco era già un ascendente, è già arrivato il teatro nuovo, questa rivista è la rivista del teatro nuovo, parole molto, molto pesanti, visto che c'era stato nel 33 un cambio ai vertici dei teatri tedeschi molto, molto violento, quindi qui si finge con la bontà della scrittura che sia stato un cambiamento influente perché non c'era niente da cambiare, era già tutto morto quello che c'era, e arriva il teatro nuovo. Lo scopo in realtà è bene importante per tutti i professionisti del teatro, le cui organizzazioni erano state appena sciolte, quindi erano stati tutti raccolti obbligatoriamente per poter lavorare in questa organizzazione, ma appunto rivolgersi anche agli appassionati, far vedere come il teatro è il centro della vita tedesca, considerato un teatro connesso alla politica, e seguire e formare il teatro tedesco per il popolo tedesco, quindi al suo scopo di costruire il nuovo teatro tedesco, contribuire a questa nuova nazione. Allora, due cose ovvie, ma che vanno a chiarire, che sono il peso della cultura teatrale in Germania rispetto all'Italia, che sono ovviamente molto diversi, è riconosciuto come parte della cultura attiva della popolazione. Laubinger era un attore, quindi gli attori partecipano attivamente alla cultura teatrale. L'altra differenza grande è che Mussolini nel 1926 aveva dichiarato che in Italia non bisognava assolutamente mettere insieme cultura e politica, invitando le riviste in qualche modo a evitare di sovrapporre le due cose. Evidentemente il programma culturale tedesco è da subito invece un insieme delle due cose, e questa rivista esprime perfettamente questa visione del teatro. Un esempio per dare un'idea degli articoli, il nuovo volto dell'attore, che è un attore giovane nazista ovviamente, quindi una spiegazione di quale deve essere il nuovo attore formato dalle nuove scuole teatrali, ma anche articoli più generali sulla fotografia, sul disegno, nelle immagini teatrali, oppure sugli artisti di danza contemporanea. Quindi c'è diversi temi molto spesso orientati, a volte tra virgolette più liberi. E questo primo numero ospiterà anche la notizia che in Italia è nata un'accademia d'arte drammatica, però dirà che questa accademia forma tutte le nuove leve del teatro italiano, ce ne parla come se fosse una struttura organica che cambia il teatro nazionale, forse per distorsioni di propaganda o di convenzioni, ma ci sono notizie anche dall'Italia. La rivista prenderà questa veste più avanti, ho messo per immagine solo per dare un'idea di che cos'è di Brune, da un lato appunto notizie teatrali, il teatro anche come arte, ma la politica è un teatro altrettanto fondamentale per la rivista, e c'è una commissione continua, alternanza continua dei discorsi e dei temi. Allora la domanda era quanto questa rivista, visto che dal 1936 in poi i legami di Italia e Germania si intensificano e addirittura si trovano anche su tribune scritti di De Pirro, cioè film italiani cominciano a scrivere per questa rivista, oltre attorno di temi, di argomenti, si scrive ognuna una nazione scrive dell'altra, la domanda se il scenario poteva in qualche modo aver preso qualcosa da Tribune.
La veste liberale intanto vediamo è molto più, più netta e artistica. Dal 37 scenario, quando Di Pirro è il solo direttore, ha queste copertine pittoriche molto, molto belle, molto accattivanti. All'interno mi sembra molto cambiata, pubblicità sempre di lusso e la riunione con Meli, ci sono interventi sempre di vari collaboratori. Qui c'è addirittura un intervento di Lele D'Amico, che è figlio di D'Amico, sulla critica, che critica il provvedimento di Goebbels che voleva in qualche modo limitare l'espressione libera dei critici. È un intervento piuttosto libero, ma quello che ci fa, questa è la pubblicità di cui si diceva prima, quello che compare però di nuovo all'inizio, questo numero successivo, ma il primo numero del 37, c'è questa nuova scritta che dice che la direzione della rivista lascia ai collaboratori intera libertà di discussione artistica e quindi ogni autore è responsabile dell'articolo firmato. Dal 25 anche in Italia era nata nella stampa la figura del direttore responsabile, voleva dire che chiunque il direttore era, rispondeva penalmente di tutto quello che veniva scritto sul giornale, Di Pirro se la cava con questa scritta, io lascio libertà e quindi se qualcuno ha scritto qualcosa che non è in linea, è colpa sua. La rivista comunque in qualche modo cambia, per esempio tutta un'ampia parte che era dedicata a notizie teatrali molto variegate e a recensione di libri viene sostituita dalla vita delle filodrammatiche. Quindi ci sono moltissime pagine che raccontano di queste teatranti delle organizzazioni nazionali di dopolavoro fasciste e del loro contributo al teatro della nazione. Ci sarà un articolo più avanti in cui saranno chiamati la nuova milizia del teatro in tempi di guerra. Questo numero invece è un unicum, cioè questa copertina strana sarà soltanto una volta nel 38, che è un numero dedicato completamente al teatro di massa, ci sono una grande voglia di tirare le fila, cosa che fa anche di buono negli stessi anni, tirare le fila, cosa abbiamo ottenuto fino adesso. In Germania nel 37 fanno un numero sul teatro di massa, in cui dicono quanti piani hanno fatto, quante cose hanno costruito e realizzato, l'Italia nel 38 fa il suo numero sul teatro di massa, dimostrando quanti spettacoli all'aperto sono stati fatti in Italia e quanto l'Italia ha fatto sullo stesso fronte. Quindi c'è un raccontarsi e un cercare di dimostrare sempre che uno dello Stato è andato più avanti. Questa è l'unica immagine di Mussolini trovata a scenario, però in realtà è una pubblicità, non è una è una pubblicità di un calendario dell'anno futuro. Quindi la pubblicità entra ogni tanto a scenario, ma sempre con delle scuse. Ci sarà un articolo sulla morte di Balbo, per esempio, ma ci sarà perché si racconterà quando Balbo è nato che viveva il gruppo di attori, come era contesa con gli attori, cioè non si parla mai della politica a sé stante, se se ne parla si trova su un motivo teatrale, quindi il teatro rimane al centro. Però qualcosa cambia. Gli articoli nello scenario del novembre del 38, il mese degli accordi culturali, è tutto dedicato al teatro della razza, al teatro ebraico, il teatro tedesco e gli ebrei, ovviamente visti in una luce non così positiva. E quindi cominciano a essere riviste molto orientate. Può sembrare che ci sia ancora un'apertura come all'inizio, per esempio ci sarà un numero con un ampissimo articolo sul teatro giapponese, perché il Giappone è entrato nei patti di guerra, però questo stesso numero in realtà riporta articoli molto netti, quello che vogliamo e non vogliamo dal teatro, indicazioni direttive su quello che deve essere in Germania. Insomma, la rivista comincia ad essere molto orientante per quello che deve o non deve interessare, per quello che deve essere il nuovo teatro. Sono gli anni in cui ci sarà la famosa dichiarazione di libro su qual è la regia italiana, e cominciano ad esserci proclami diretti sul giusto teatro. Accanto a pubblicità di lenzuolo, quindi sono i sereni, ci pensiamo noi adesso e potete rilassarvi. Scenario cambia veste in tempo di guerra, per motivi probabilmente economici, ha ridotto anche il prezzo, ancora pubblicità costose e invito ai lettori di leggere il scenario per scriverlo a fronte, in modo che anche i soldati possono essere informati delle novità di scenario. E concludo parlando di questo. Allora, l'idea iniziale era che la rivista tedesca avesse affrontato quella italiana. Ci sono però delle coincidenze interessanti. Il scenario nasce appena dopo la corporazione teatrale, la prima corporazione fascista è quella teatrale. Sicuramente nasce legata anche al progetto culturale di D'Amico, però è chiaro che sotto c'è da subito un intento politico molto preciso.
Quando Scenario nasce, De Piro ha 34 anni, De Piro ne ha 45. Tamico ha un'esperienza culturale molto vasta, è stato già autore di riviste, è stato giornalista, probabilmente anche in questo ha portato un peso diverso nella gestione degli affari della rivista. È evidente che nel tempo si fa più invadente l'aspetto politico, ma se si torna ai primi numeri, dove in genere si fa caso alla parte teatrale, come sono queste macchine di Rastelli, uno degli argomenti forti del primo numero, se si guarda ad esempio un articolo famosissimo del primo numero, che è l'articolo con Fulvio Rigni, il bar, però la regia, appena prima c'è un lunghissimo intervento di De Piro sulla corporazione dei musicisti, molto netto, molto politico, sono tre pagine contro la mezza pagina di Migliorini. Quindi l'ipotesi è che rileggendo il scenario secondo un'altra prospettiva si possa cogliere più di un nesso in questo senso, e che magari può darsi che sia stata proprio di Blume invece a prendere ispirazione dal scenario, riportando quello stile nel contesto tedesco, il tuo modo di pensare tedesco. Del tuo intervento, che è stato perfettamente nei tempi. Benissimo, abbiamo visto tre belle relazioni su dove il rapporto con la politica, il potere, la lotta, la guerra e la polarizzazione ideologica è fortissima, e abbiamo visto anche, soprattutto con l'intervento di Carmen, fino a che punto la materia teatrale si interseca perfettamente con la forma editoriale, con il giornale, con la stampa. Non si tratta semplicemente di riviste che parlano di teatro. Ci sono dei teatri che sono riviste e ci sono delle riviste che sono teatro. Come diceva ieri Tancredi, parlando di Jacobson, che voleva essere il regista di questa rivista, vedete a che punto questi oggetti sono oggetti organici, non sono semplicemente oggetti che parlano di qualcos'altro, che sarebbe il teatro. J'ai pas la force de dire ça en français, désolé. Donc, question, Roberta, Tancredi, Gabriele, Sonia, dans l'ordre. Beh, se la politica, rapidi, concisi, precisi. La mia domanda è a Carmen Cauto, c'è la formula francese. Il titolo di vostra intervenzione era Le revue d'Agitprop, un progetto di teatro giornalistico. Ma non avete parlé beaucoup de. Pourquoi vous l'avez défini théâtre journalistique? Alors, je vous demande, ou peut-être que je n'ai pas compris, j'ai compris qu'il y a beaucoup de publications, de textes qui doivent circuler par les blues. Questi testi sono testi d'attualità. Volevo sapere qualcosa di più sui testi drammatici, sulle pièces publiquées, qui sont pour les troupes amateurs. E ci sono pièce che riguardano l'attualità, perché io so che il Muse Blues è un teatro giornalistico, ma io voglio comprendere perché la revue la define. Allora, le texte si concernono l'attualità, se vous pouvez mi donner des exemples, quelle question il concerne, le texte drammatiche più pièce. Ci sono delle pièces d'occasion qui concernent beaucoup de faits de la révolution ou quoi? Oui. Alors, je vais vous donner une raison pour pourquoi je considère que c'est un intérêt journalistique, mais la question des sujets. Il revendique des sujets d'actualité comme. Est-ce que je pourrais donner un exemple? Des événements politiques dont ils disent qu'ils sont récents, qui peuvent parfois dater de plusieurs mois. Mais le côté actuel, pardon, il faut que je me concentre, je ne comprends plus.
Peut-être en fin d'autres demandes. Est-ce que je peux prendre la parole en tant que directeur de tout est actualité, non seulement le lien avec le journal, et Carmen expliquait, c'est qu'on arrive à les scènes, on les appelle des articles, donc il y a un lien structurel, mais les questions liées au prix, aux conditions de vie, conflits internationaux où il y a Chamberlain et tous les personnages du moment qui sont en scène. Donc c'est l'actualité brûlante, parfois c'est une actualité un peu décalée, mais l'actualité est au cœur de toute activité théâtrale. L'actualité politique, pas seulement de la sociologie, pas seulement de l'Unione Sovietica, ma anche dell'Europa, vista in chiave marxista. Certo, certo, cioè, certo. On aimerait bien avoir un liste de tous les textes. Bientôt, Carmen, vous allez publier sa thèse. Yes, yes. Ça va être des choses aussi, comme une nouvelle réforme. Qui change les modalités du divorce. Et on va faire une pièce sur ça. La réforme de l'orthographe, où on conseille de se laver les mains, de faire bouger l'eau avant de l'avoir. Et je suis très intéressée à voir si la question est féminine, la révolution opérale, la politique, c'est intéressant de savoir tout ça. Io ho una domanda per Aella, molto interessante tutta questa storia di scenario di fine, e in particolare c'è un tema che viene fuori da questa storia, di quello della disciplina che studia il teatro, cioè della disciplina diciamo universitaria, perché Hans Knudsen, che è una storia incredibile, allievo di Max Ernst, fondatore della Theaterwissenschaft, nel 1948 diventa il fondatore della nuova Theaterwissenschaft della Germania Libera e in questi anni è direttore dell'Ordine Nazionale Socialista. E quindi la mia domanda è che cosa rimane, cioè, che cosa si vede della Theaterwissenschaft tedesca di Max Ehrmann in questi anni di Knudsen? Cioè, è un grande trasformista, ma in che modo diciamo, la sua storia disciplinare passa in questi anni? Si era incontrato? Dovrei senz'altro interessarla in questa direzione, perché in realtà dalla Germania sono tornata con 92 pagine di appunti per essere interessato per questa domanda precisa. Lui scrive soprattutto recensioni di libri, scrive di argomento piuttosto che tale, non mi sembra che ci siano, ma devo controllare assolutamente, pezzi suoi direttamente, che riguardano direttamente aspetti politici. Però è molto interessante che la sua storia corrisponde a quella di D'Amico, perché anche D'Amico rimane... E lo stesso De Pirro che torna al vertice con Andreotti appena dopo la guerra, quindi in realtà fa parte, c'era questo scrittore italiano, Roberto Bracco, che scrisse per l'Italia, forse vale anche per la Germania, che c'era stato un colpo di vento alla fine della guerra che per 2 anni aveva portato tutti lontano dai loro posti, e poi era qui il vento e tutti i suoi sedi come prima, quindi che il potere in qualche modo era rimasto lo stesso. Soprattutto se ne è in pubblicazione un libro di Jan Lazzardi, che ha fatto un altissimo studio che sicuramente parlerà anche del suo Porta di Unione, quindi appena uscirà, e penso entro l'anno, ne sapremo sicuramente molto di più. Grazie. Allora c'era Gabriele, poi Sofia, e poi Valentina. Oui, j'ai juste une petite question pour Madame Autant-Mathieu. C'est très intéressant effectivement voir cet aspect des militarisations de discipline de Meyerhold, mais c'est en 1922, Meyerhold entame une querelle avec Taïrov en disant, en rapprochant à Taïrov de militariser les acteurs. Et c'est effectivement juste après la fin de l'arbitre. Donc, ma question c'était tout d'abord, est-ce que Taïrov avait participé à cette preview avait quelques rapports? Et la deuxième question, est-ce qu'on peut imaginer que la naissance de la biomécanique ou la formalisation de la biomécanique était aussi une manière de sortir de cette idée d'acteur-soldat? Merci de cette question. Alors, la position de Taïrov par rapport à Meyerhold, c'est une position d'extrême animosité. Donc, évidemment, Taïrov n'a jamais participé
à cette revue, c'était un ennemi. Bon, Meyrod avait plusieurs ennemis, mais bon, Taïrov était un de ceux-là. D'autant que Taïrov a fait partie de ceux, c'est une histoire un peu méconnue qu'il faudrait creuser. Taïrov a essayé, avant l'arrivée des bolcheviks, de créer donc une association de théâtre qui pactisait, si vous voulez, avec le gouvernement provisoire. Donc il est bien évident que dès l'instant où Meyrod a pris sa carte du parti et s'est mis du côté des bolcheviks, il n'était plus question, ni sur le plan esthétique, ni sur le plan politique, de s'accorder avec Taïrov. Alors l'article de Taïrov de 1922, il est de Meyrod contre Taïrov, pardon. En fait, ça n'a plus rien à voir avec les mots d'ordre et les slogans de l'octobre théâtral. Il s'agit juste d'une polémique encore, puisque Meyrod n'a fonctionné que finalement par polémique. C'était la polémique qui stimulait sa créativité, donc, des choses comme ça. Donc en fait, Meyrod a réagi à l'ouvrage de Taïrov, qui était un ouvrage du théâtre, sur le théâtre, et dans lequel Taïrov définissait de manière théorique sa position par rapport à l'art, au jeu, à la scénographie. Et évidemment, Meyrod a complètement déformé le propos de Taïrov pour justement polémiquer et revendiquer sa propre position. Alors, en ce qui concerne la biomécanique, en fait, c'est une vieille histoire qui, en fait, j'ai travaillé il n'y a pas longtemps sur la question. En fait, la biomécanique, elle a pas vraiment été inventée par Meyrod. Elle existait déjà un peu avant dans les milieux de médecins plutôt dans les milieux de sciences exactes avant d'être en esthétique. Et en fait, bon, la biomécanique, à cette période balbutiante du messager du théâtre, elle apparaît, comme je l'ai dit, la tépiscoute, la biomécanique, mais Meyrod ne l'a pas encore vraiment théorisée. Il est en train de le faire en 1920-21, justement en se référant, et c'est assez intéressant finalement, aujourd'hui l'histoire du théâtre n'a gardé que la biomécanique, et en réalité ce que j'ai dit, la tépiscoute, la théâtralisation de la culture physique était bien plus importante à l'époque. Mais seulement, elle était pratiquée par des metteurs en scène qui sont beaucoup moins connus aujourd'hui que Meyrod, notamment Föreger, dont Carmen a évoqué le nom tout à l'heure. Et en fait, si vous voulez, Meyrod a un peu écrasé toutes les autres recherches qui se faisaient. Et dans les années du communisme de guerre, on va dire jusqu'en 1922-23, la tépiscoute, la théâtralisation de la culture physique, avait presque autant d'importance que la biomécanique. Après, Meyrod a commencé à définir la biomécanique à partir de 22-23, et là, effectivement, avec son prestige et ses réalisations extraordinaires, évidemment, la biomécanique a pris le pas sur toutes les autres formes du jeu. Sonia. Allora, anch'io per Raffaella, che ringrazio tanto di questo suo intervento. Una piccola precisazione, mi sembra, tu dicevi all'inizio lo scopo di scenario, sulla base anche di quanto affermato da Mirella Schino relativo a quella frase di Copò, quindi la possibilità di educare il pubblico, però mi sembra di aver capito sia il costo della rivista rispetto per esempio anche a Libione, no? Come anche la natura degli articoli, in realtà sembrano, e le pubblicità, sembrano destinate invece a un pubblico elitario. Diciamo la radio, quello no, perché la radio sappiamo che è il principale veicolo di propaganda. Hitler fece in modo che tutti i tedeschi avessero una radio in casa, perché quella doveva essere, diciamo, il veicolo primo, no, per propagandare, e quindi non ci stupisce anche il fascismo. Però mi sembra appunto per il resto che invece la destinazione sia un pubblico un po' più elitario, e invece Di Piune ha una natura, da quanto ho capito, certo non mancano naturalmente anche là gli interventi, diciamo, di settore o più specifici, ma la natura, anche il costo, il prezzo, no? Quindi molto più, mi sembra, accessibile, o sbaglio, cioè, quindi come... Sì, grazie. Sì, grazie di questa domanda. Io credo che faccia molto, abbia molto a che fare con il modo di pensare, il teatro della società italiana. Cioè, D'Amico senz'altro si rivolge, avete da dirlo, a un pubblico d'élite, in qualche modo. Ma anche la riforma teatrale che vogliono portare avanti, forse in qualche modo vuole cambiare prima di tutto un modo di pensare tra chi il pensiero lo manovra, quindi tra chi scrive, tra chi chiacchiera
messa lotte. Quindi l'idea di diffondere un modo diverso di intendere l'arte da chi può visitare. Quell'amico, gli attori non sono mai visti al centro, anche poi nella sezione di scenario, sempre come qualcuno da educare, da ordinare. Cioè, è proprio un sistema diverso che corrisponde al fatto che il teatro è sempre visto come al margine totale della società. Un'educazione degli addetti ai lavori, diciamo. Sì, in qualche modo addetti ai lavori, pubblico e attori. Sì. L'ultima domanda, l'ultimo intervento per Valentina. Ha già risposto alla domanda di Gabriele Sofia. Perfetto, allora poi alle emozioni.